pour cette soirée spéciale. Prière inspirée, passion et guérison. Et ce soir, nous croyons que la puissance du Seigneur va se manifester, que Dieu va vous toucher, vous renouveler, vous fortifier, vous visiter. Et vous savez, ici à MC, eh bien, nous prions. Et nous avons prié pour ce moment et pour ce live spécial. Et nous croyons qu'il va y avoir des choses extraordinaires, des miracles. On croit pour des vies complètement transformées par la puissance de Dieu et des personnes renouvelées dans leur corps, guéries dans leur corps par la puissance du Saint-Esprit et par l'amour de Dieu. Et ce soir, je vous invite bien sûr à partager ce live autour de vous. Vous pouvez le partager sur les différents réseaux sociaux que vous utilisez. Vous pouvez utiliser également WhatsApp si vous avez des listes ou des groupes de prière, des listes de diffusion. Pouvoir partager si quelqu'un a un besoin, peut-être quelqu'un s'est éloigné du Seigneur ou quelqu'un aurait besoin d'être édifié dans sa foi, quelqu'un peut-être ne connaît pas le Seigneur encore ou quelqu'un a besoin de guérison, eh bien nous voulons vous encourager à pouvoir partager ce live autour de vous afin qu'un maximum de personnes puissent être touchées par la glorieuse et merveilleuse présence du Saint-Esprit. Alors je vous salue tous, frères et sœurs, merci d'être là ce soir. On va passer un moment, je crois, fort dans la présence de Dieu. On sera environ 2 heures ensemble. Alors je sais qu'en France, il est déjà un petit peu plus que 21h, mais je crois que ça va être une soirée qui va être très très forte dans l'onction du Saint-Esprit. Je salue également tous les partenaires. Grâce à vous, frères et sœurs, eh bien, de tels programmes sont possibles. Et on ne peut être que reconnaissant au Seigneur pour votre vie et pour votre soutien fidèle envers EMCI. On salue également bien sûr toutes les personnes qui sont là derrière et qui sont là ici aussi dans ce studio. Grâce à vous tous, eh bien, on peut vivre de tels moments. Et j'ai la joie aujourd'hui d'être avec Gordon et Anne-Clémence, comme à mon habitude, mais également d'avoir 3 amis. Alors un premier ami que je vous présente, Stéphane Caddy. Stéphane, merci d'être là. Merci Jérémy. C'est vraiment super que tu sois là ce soir. Stéphane, tu es pasteur dans la région de Nice, oui, à l'église de la Riviera. J'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois chez toi. Stéphane et moi, on est très amis. Et d'ailleurs, Frank et Michael, qui vont aussi nous rejoindre tout à l'heure, ce sont aussi des amis de cœur. Je crois qu'ensemble, on va vraiment pouvoir bénir le peuple de Dieu et voir ce que le Seigneur va faire ce soir, dans cette soirée. Il y a des choses qui sont fortes dans nos cœurs et je crois que Dieu aime tellement son peuple et Dieu vous aime tellement qu'il ne veut pas que vous puissiez rester dans cette situation. Il a promis de nous amener de gloire en gloire, là on parle de passion, mais il a promis également que par les meurtrissures de Jésus-Christ, par le calvaire que Christ a vécu à la croix, eh bien il est venu pour que ce soir vous puissiez être délivrés complètement de toute infirmité, de toute maladie, de tout problème, traumatisme, toute douleur que vous pourriez avoir dans votre corps, mais également dans votre âme et dans vos pensées, dans votre maison et dans vos relations. On croit que Dieu est puissant et que ce soir, il va se glorifier. Alors sans plus attendre, Stéphane, dans cette première partie sur la passion, je vais te laisser toute la place afin que tu puisses nous encourager. On salue toute l'église de la Riviera, bien sûr. Oui. Et tes parents qui sont là, ta famille, que j'aime aussi particulièrement. Nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ, Christian, Viviane. La gloire du Seigneur soit sur vous. Amen. Merci Jérémy et merci pour l'invitation. C'est une joie, un privilège, une grâce d'être ici à EMCI. J'aime tellement ce que Dieu fait ici, cette passion, cette vision qui est là. Et je crois vraiment qu'à travers cette soirée, beaucoup de personnes vont reconnecter avec le Seigneur et beaucoup de ceux qui ont perdu le feu du premier amour vont retrouver ce feu pour le Seigneur. Et j'aimerais lire un texte avec vous dans l'Épître aux Romains au chapitre 12 et au verset 11, où là, l'apôtre Paul va nous exhorter au zèle et il dira « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Amen. » Amen. On peut lire également un texte dans Apocalypse, au chapitre 2, où là Jésus parle à l'une des 7 églises, qui est l'église d'Éphèse, une belle église du Nouveau Testament. Et on voit qu'il y a un temps dans la vie de cette église où la flamme a dû descendre, la flamme a dû baisser. Et on voit qu'à travers ce texte, Jésus va exhorter cette église à retrouver le feu du premier amour. Et il lui dira, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, dit le Seigneur, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes.
Et on sait, Jérémie, que le chandelier, c'est l'image de la présence de Dieu dans l'Église. Cette Église, elle avait beaucoup de qualités, elle avait du zèle, elle avait de la persévérance, elle avait éprouvé les faux apôtres. Mais à un moment, dans sa marche, il y a quelque chose qui s'est passé, on ne sait pas c'est quoi. Et elle a perdu le feu du premier amour. Et Jésus vient pour lui parler avec un message d'amour, mais il lui demande également de se repentir. Et peut-être que vous nous écoutez ce soir et le feu a diminué, la flamme n'est plus là. Et je crois qu'à travers cette soirée, à travers la repentance, à travers la prière, Dieu veut ranimer quelque chose en vous. Amen. On voit qu'il y a un texte dans Timothée où Dieu va parler également à travers l'apôtre Paul. Il dira à ce jeune pasteur de l'église d'Éphèse, justement, « Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu. » Et je crois que c'est le temps pour nous, nous sommes dans les temps de la fin, où Dieu veut ranimer ce don que nous avons perdu. Peut-être que c'est le confinement, peut-être que c'est le Covid qui t'a volé cela. Dieu veut réanimer cela dans ta vie ce soir. Alléluia. Et dans le Proverbe 26, au verset 20 et 21, j'aime tellement ce texte. Il est écrit « Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Le charbon produit un brasier et le bois du feu. » Ça veut dire que pour qu'un feu reste allumé, il faut l'entretenir. Et nous sommes appelés à mettre des bûches sur le feu que Dieu a allumé dans nos cœurs le jour de notre nouvelle naissance. Si le feu a baissé, c'est quelque part, c'est qu'il n'y a plus de braise, il n'y a plus de bois, pardon, qui a été mis sur le feu. Et on est appelé à mettre des bûches ce soir et on va voir ensemble quelques bûches. La première, j'ai appelé ça la bûche de la parole de Dieu. Et je crois que c'est important de le rappeler, surtout aujourd'hui où tellement de personnes écoutent des enseignements de droite, de gauche, sur Internet, et je ne suis pas contre, bien au contraire. Je crois que ce qui permet à un homme, à une femme de perdurer dans le temps et de rester en feu pour Dieu, c'est la puissance de la parole de Dieu. Et on sait que tout au long des Écritures, Dieu parle par sa parole. Et j'aime tellement ce texte de Pierre qui dira dans 2 Pierre 1, verset 21, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Et souvent on dit que cette parole n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Ces 66 livres qui ont été écrits par plus de 40 auteurs sont les livres que Dieu a donnés à l'homme. Et cette parole a le pouvoir d'embraser nos cœurs ce soir. Alléluia. Et Jérémie dira dans Jérémie 23, verset 29, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» Cette parole est comme un feu. Tu n'as pas besoin de plusieurs choses pour allumer le feu en toi. Tu as besoin d'un contact, premièrement, avec la parole de Dieu. Alléluia. Et on voit dans les Écritures, il y a ces disciples d'Emmaüs qui sont là et qui allaient dans un village qui s'appelait Emmaüs, qui s'appelle Emmaüs littéralement en hébreu, c'est peuple méprisé. Ils quittaient Jérusalem, la ville sainte, pour aller vers un mépris spirituel. Et on sait que Jésus va leur apparaître après la résurrection dans Luc chapitre 24. Et regardez bien ce texte extraordinaire. Au verset 15 jusqu'au verset 18, il est dit « Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et il leur dit « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez si tristes ?» Et c'est vrai, quand tu perds le feu du premier amour, Jérémie, il y a comme une tristesse qui est là. Il y a comme un aveuglement aussi spirituel qui vient parfois. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne va pas leur imposer les mains, il va citer les Écritures. Au verset 26 et 27, il est écrit « Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entra dans sa gloire ? » Et commençant par Moïse, il leur parle du Pentateuque et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et on va voir au verset 32, le résultat est extraordinaire. Ils se dirent l'un à l'autre « Notre cœur ». Ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin des Écritures ? Ce qui va réallumer le feu dans le cœur des disciples d'Emmaüs, c'est la parole de Dieu. Il ne va pas leur imposer les mains, ni leur faire une onction d'huile, ni même leur prophétiser dessus. Il va juste citer les Écritures. Et le feu qu'ils ont perdu suite à la mort de Jésus va être réanimé en eux parce que simplement la parole de Dieu est ointe. Cette parole est comme un marteau qui fait éclater le roc. Cette parole est comme du feu. Et quand tu es au contact de ce feu, alors ta vie est embrasée. Alléluia. C'est la première chose que je te demande de faire ce soir. Retrouve le feu pour sa parole. Prends du temps dans les Écritures. Laisse Dieu, à travers la parole, allumer un feu en toi. Alléluia. C'est la première des choses. La deuxième des choses qui, je crois, peut voler le feu à un croyant. Et
On est en plein dedans actuellement avec les confinements, la Covid, etc. C'est le manque de communion fraternelle. Et je ne suis pas du tout contre les cultes en live, au contraire, mais je crois qu'il y a une puissance dans le rassemblement, alléluia. Et on voit dans Hébreux 10, au verset 24 et 25, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » N'abandonnons pas le fait de nous rassembler, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Quand nous sommes ensemble, quand le peuple de Dieu est ensemble, quand le peuple de Dieu est réuni, Jésus dit « Quand deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. » Quand le peuple est ensemble, alors nous nous excitons à l'amour. Et c'est comme des bûches spirituelles que nous mettons les uns sur les autres. Il y a comme un feu qui reprend vie, alléluia. On a vu cela après les confinements, quand les gens sont revenus dans les églises, tellement on dit, mais à travers la communion fraternelle, à travers tout ce que nous vivons à l'église, le repas du Seigneur et autres, il y a quelque chose qui à nouveau était cassé en moi et qui a repris vie, alléluia. Et on voit que les premiers disciples vivaient comme ça, les premiers apôtres. Dans Actes 2, 41, il est dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et je rappelle qu'ils n'étaient pas moins de 3000. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et le verset 46 va dire qu'ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Et ce qui est merveilleux dans le livre des Actes, c'est un de mes livres préférés dans les Écritures, c'est que le livre des Actes est un livre qui ne manque pas de feu. Partout, il y a le feu. Tu prends le chapitre 1, il y a le feu. Tu prends le chapitre 2, il y a le feu. Tu prends le chapitre 3, Pierre et Jean à la porte du temple vont lever le paralytique en lui disant « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Il y a le feu. Tu vas dans acte 4, il y a le feu. Tu vas dans acte 5, il y a le feu. Partout, le feu est là parce qu'ils étaient ensemble. D'ailleurs, l'église primitive, lorsqu'elle perdait le feu, elle s'est réunissée et elle priait. On se rappelle de ce texte qui dit qu'ils étaient persécutés et ils élevèrent la voix à Dieu tous ensemble. Et lorsqu'ils priaient, la Bible dit que le lieu dans lequel ils étaient s'est mis à trembler. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, alléluia. C'est ce qui va vous arriver ce soir. Dieu va vous remplir du Saint-Esprit, alléluia. Quand nous sommes ensemble, il y a une puissance. Et la Bible parle d'un homme qui s'appelait Moïse. Et moi, j'aime particulièrement Jérémie, le ministère de Moïse, parce que le ministère de Moïse commence dans le feu. Exode 3, verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Et on voit qu'à travers le feu qu'il a reçu ce jour-là, il va faire des miracles. Aussi des gens nous regardent, des ministères nous regardent. Sans le feu, tu ne peux rien faire. Oh, la manne est tombée parce que le feu était là. La mer rouge s'est ouverte parce que le feu était là. Les 10 plaies ont eu lieu parce que le feu était là. Moïse était un ministère de feu. Il avait reçu le feu au Sinaï. Oh, je prie pour quelqu'un ce soir qu'il reçoive là où il est le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Mais il y a un moment dans sa vie où on voit que le feu va manquer. Et c'est lorsque il y a eu ce combat, pardon, avec Josué et Amalek. La Bible déclare dans Exode 17, Versets 12 et 13, les mains de Moïse, étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Il y a un moment dans sa vie où le feu qu'il avait ne suffisait pas pour vaincre Amalek. Il lui fallait le feu de Hur, il lui fallait le feu d'Aaron. Et peut-être que certains, vous êtes comme ça, vous êtes fatigués. Vous avez connu des temps de réveil, de rafraîchissement. Dieu vous a visité, le feu vous a visité, mais vous sentez comme Moïse que vos mains sont fatiguées. J'aimerais vous dire, pour vous, c'est le temps de retrouver le chemin de l'église locale. C'est pour vous le temps de retrouver le feu de la communion fraternelle. Dieu mettra des Hur, Dieu mettra des Aaron, Dieu mettra des gens loin, Dieu mettra des ministères sur votre route qui vont vous relever les bras et vous vaincrez Amalek dans le nom de Jésus, alléluia. Nous déclarons ça sur vos vies maintenant et nous libérons cette parole prophétique. Soyez vainqueurs au nom de Jésus. Soyez vainqueurs au nom de Jésus. C'est le temps de votre percée. C'est le temps de votre percée financière.
C'est le temps de votre restauration. C'est le temps de votre guérison. Mais vous avez besoin de commencer par l'humilité. La Bible dit que Jésus s'est humilié. Il est passé par les eaux du baptême. Avant d'être élevé, avant de recevoir le feu, il est passé par l'humilité. Laissez Dieu vous conduire dans ces temps où vous vous humiliez et vous retrouvez le chemin de la communion. Enfin, encore un autre point, c'est la consécration. Et dans Lévitique, chapitre 6, versets 5 et 6, il y avait un endroit dans l'Ancien Testament où le feu tombait. Le feu brûlera sur l'autel et il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra point. Mon frère, ma soeur, si tu as perdu de vue la croix, si tu as perdu de vue le chemin de l'autel, le chemin de la consécration, alors le feu va s'éteindre. Pour que le feu vienne, il fallait que le sacrifice soit mis sur l'autel. La Bible dit dans Romains 12, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offre ta vie au Seigneur. Offre ta vie au Seigneur. C'est comme ça que le feu va perdurer. On voit tellement de croyants, Jérémie, qui avec les années ont perdu le feu. Ça a été juste le feu d'un moment, le feu d'un instant. Je crois pour que le feu dure dans le temps, il faut chaque matin que tu mettes ta vie sur l'autel, mon frère, ma soeur. C'est là que le feu va être allumé, alléluia. La consécration d'hier ne suffit pas. Il te faut une consécration d'aujourd'hui, alléluia. Et je crois également, et c'est important de le dire, cette émission Prière Inspirée est une émission de prière. Je crois que la prière allume le feu. Et nous sommes dans un temps où l'Église doit prier. Nous sommes dans un temps où l'Église parfois doit jeûner. Nous sommes dans un temps où l'épouse, alléluia, doit retourner aux pieds de l'époux. Et je crois que c'est important. On a tellement de temps pour autre chose que pour la prière. Mais pourtant, la Bible dit que c'est dans la prière que le feu est allumé, alléluia. On sait aujourd'hui que 75% des jeunes passent plus de 5 heures par jour sur leur téléphone portable, sur Instagram, sur Facebook. C'est pas interdit. Mais lorsque je parle à certains de ces jeunes et je leur dis « Pourquoi avez-vous perdu le feu ?» Ils me disent « Je n'ai pas le temps de prier. » J'aimerais te dire une chose. Si tu as le temps d'aller sur Instagram, si tu as le temps d'aller sur Facebook, si tu as le temps d'aller sur les réseaux sociaux, alors tu as le temps de prier. Alléluia. Et c'est dans la prière que le feu va être allumé. Mais quand tu pries, Matthieu 6, 6, entre dans ta chambre, ferme ta porte, ferme la porte à tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu dans ta vie et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. J'aimerais terminer par un dernier texte dans Éphésiens 5, versets 19 à 21. Où Paul dira, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et le grec là, c'est littéralement, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Oh, pas juste le jour où tu as été baptisé du Saint-Esprit, mais tous les jours, sois continuellement rempli du Saint-Esprit. Comment ? Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus. Retrouve le chemin de la prière, retrouve le chemin de la parole et Dieu va te oindre, Dieu va te visiter comme il l'a fait autrefois, il le fera sur ta vie. Dans le nom de Jésus, nous déclarons cela maintenant. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alors il y a un combat entre les choses du monde et les choses de Dieu. Et on ne peut pas être ami du monde et ami de Dieu. On doit faire un choix. Et il y a beaucoup de chrétiens qui se satisfont de leur vie avec le Seigneur parce qu'ils vont à l'église, parce qu'ils écoutent des réunions et parce que de temps en temps ils prient et lisent la Bible. Et comme le disait Stéphane, il y a tellement plus que ça. Et nous sommes dans une génération particulière où le diable s'est acharné à travers les médias, à travers tout ce qui peut exister aujourd'hui. Il est tellement facile aujourd'hui d'être occupé, comme le disent parfois ces jeunes, tellement occupé qu'on imagine ne pas avoir le temps de prier. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse faire un appel, alléluia, à l'authenticité, à l'honnêteté et à la franchise. Alléluia. La parole de Dieu déclare que Dieu, oh, il chérit jusqu'à la jalousie, l'esprit qu'il a fait habiter dans nos cœurs. Alléluia. Le Saint-Esprit,
qui habite dans ton cœur si tu es né de nouveau. Alléluia. Aimerait avoir la place et plus de place. Oh, alléluia. Et vous savez, cette nuit, le Seigneur me montrait comment on peut être tellement occupé par des choses de ce monde. On peut être occupé par des amitiés, par des voitures, des maisons. Les maisons peuvent occuper tellement de gens. Le travail peut occuper tellement le cœur. Les relations amoureuses peuvent tellement prendre la place. Mais Dieu, clairement, nous appelle à ne pas être partagés, mais à pouvoir lui donner toute la place. En effet, on ne peut pas être à la fois enivré de vin et ivre du Saint-Esprit. Il y a un choix, et dans l'Ancien Testament, on le sait, il y a dû avoir un choix. Si vous voulez suivre Baal, suivez-le. Mais si vous voulez suivre Dieu, suivez-le. Faites un choix. Et nous voulons prier pour vous ce soir. Si vous réalisez qu'en réalité, Dieu est le deuxième, ou il est devenu le deuxième, le troisième, et la passion a été perdue, alors que des milliers de personnes, de frères et de sœurs, partout, sur les satellites, sur YouTube, sont ensemble, dans un esprit de prière, nous allons demander pardon au Seigneur pour l'état de nos cœurs, pardon au Seigneur pour le manque de passion, pardon au Seigneur de passer à côté de ce qu'il veut faire dans cette génération, en cette année, pendant ce mois. Dieu veut faire quelque chose pour l'Église. Dieu veut susciter et lever encore des Moïse. Il veut encore susciter et lever des Aaron et des Esther. Il veut lever encore des femmes de prière et des hommes de prière. Et ce soir, nous n'allons pas seulement vous partager la parole de Dieu, mais nous allons prier. Et la prière d'un homme, la prière d'une femme, fait toute la différence et produit des miracles. Je vous invite, frères et sœurs, à pouvoir fermer vos yeux et vous concentrer sur le Seigneur. Et regardez à votre cœur les choses qui ont pris sa place. Beaucoup de personnes, il y avait des temps pour le Seigneur tout au long des jours, au réveil le matin, pendant la journée et dans la soirée. Mais maintenant, le téléphone, les réseaux sociaux, Netflix, l'amour pour les choses de ce monde, un ami peut-être, une relation amoureuse a pris clairement la première place. Et Père, nous nous présentons devant toi ce soir. Alléluia. Avec humilité, avec sincérité. Si mon frère, ma soeur, il y a quelque chose dans ton cœur qui a pris la place de Dieu, demande-lui pardon. Humilie-toi devant lui. Tu ne peux pas vivre encore un jour comme ça. Nous ne sommes pas faits pour vivre comme ça. Oh, alléluia. Nous sommes faits pour vivre dans le feu. Alléluia. Dans la gloire de Dieu. Saint-Esprit. Alléluia, je vous invite à répéter une prière avec moi, là où vous êtes. Répétez avec moi cette prière. Dites simplement, Père, je viens maintenant à toi et je veux te laisser me remplir de ton feu. Oh, je veux te laisser me remplir de ton Saint-Esprit glorieux. Oh, je veux me détourner de toutes les mauvaises voies que j'ai prises. Et je veux à nouveau laisser cette vie prendre le contrôle de ma vie. Seigneur, viens allumer ce feu.
Viens mettre des bûches, Seigneur, dans ce feu. Je remets ma vie sur l'autel. Oh, touche-moi comme tout à nouveau. Remplis-moi, Esprit de Dieu. Remplis-moi, que ton huile coule maintenant. Que ton huile coule maintenant. Que ton huile coule maintenant. Que ton huile coule maintenant, 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 dans le nom de Jésus. Si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, je vous invite là où vous êtes, commencez à prier. Simplement dans des nouvelles langues. Commencez à prier dans des nouvelles langues, maintenant. Oh, continue à prier le Seigneur, alléluia. Oh, pendant qu'on prie, Seigneur me montre, il y a des personnes qui ont des chaînes, qui ont des liens. Non seulement vous avez perdu le feu, mais pendant que vous avez perdu le feu, vous avez lié votre vie par des choses étrangères qui ont pris la place de Dieu dans des relations, dans des passions extérieures, dans des passions mauvaises. Et alors que vous êtes chez vous maintenant et que vous vous détournez de ces choses, que vous prenez la décision de vous détourner de ces choses, la puissance de Dieu vous visite maintenant. Le feu de Dieu vous visite maintenant. Recevez la délivrance dans l'autorité du nom de Jésus. Nous brisons maintenant ces chaînes. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus et nous déclarons votre liberté. Nous déclarons votre liberté. Maintenant, tu touches, Seigneur. Les addictions sont brisées par la puissance de Dieu, par le feu de Dieu. Oh, recevez maintenant dans l'autorité du nom de Jésus. Et je vois comme un manteau maintenant qui vient. Vous recevez un manteau nouveau, le manteau de la louange, le manteau de sa gloire, le manteau de sa puissance, le manteau de l'onction, le manteau de la consécration. Ce manteau vous ramène à la communion avec Dieu. Je déclare maintenant sur ta vie qu'il te redonne tout ce que le diable t'a volé. Il te redonne tout ce que le diable t'a volé. Il t'a volé ta paix. Il t'a volé ta joie. Il t'a volé ton feu. Il t'a volé ta consécration. Maintenant, reçois au nom de Jésus et retrouve ce feu. Oh, tu vas te réveiller. Oh, tu vas te relever comme tu étais avant. Comme tu étais avant le confinement. Tu avais ces temps avec le Seigneur où tu rentrais dans la présence de Dieu. Tu avais l'impression que les choses étaient si faciles, si simples. Il y avait comme une communion entre toi et Dieu particulière, alléluia, étroite, intime. Et tu as perdu ces choses. Et tu as l'impression aujourd'hui, quand tu viens dans la présence du Seigneur, que c'est difficile, que c'est compliqué. Parce que tu as perdu ce feu, tu as perdu ce vent, tu as perdu ce qui t'a amené aux pieds de Jésus. Mais je déclare prophétiquement maintenant, tu le retrouves là où tu es. Tu le retrouves là où tu es. Tu le retrouves, tu es. Dieu touche des femmes maintenant. Dans mon esprit, je vois des femmes que Dieu touche maintenant. Là où vous êtes, vous aviez des temps de prière très particuliers avec le Seigneur. Vous mettiez vos enfants dans l'école et vous commenciez à prier le Seigneur. Vous avez perdu ça. Maintenant, j'allume le feu sur vos vies par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, retrouvez ce feu. Retrouvez ce feu. Oh, retrouvez ce feu dans l'autorité du nom de Jésus. Je vois également des serviteurs de Dieu à qui le Seigneur parle. Tu es en train de préparer tes prédications et tu les préparais avec le feu. Tu savais que ce qui faisait la différence le dimanche matin, quand tu annonçais ton message, c'était le feu. Tu voyais des repentances parce qu'il y avait le feu. Il y avait des baptêmes de l'esprit parce qu'il y avait le feu. Oui. Aujourd'hui, il n'y a plus rien parce qu'il n'y a plus le feu. Il n'y a plus le feu. Et je vais prier maintenant pour toi. Mets la main sur ton cœur. Je vais prier pour toi. Et je veux déclarer que maintenant, Dieu va à nouveau allumer ce feu. Il allume ce feu. Il allume ce feu. Mais l'Esprit de Dieu me parle pour toi. Et l'Esprit me dit de te dire ce soir, tu as besoin de te repentir et de trouver des personnes à qui tu as mal parlé. Tu as blessé dans ton église. Tu as fait du mal. Et jamais tu n'as été te réconcilié avec ces personnes. Et quand tu observes ta vie, tu te rends compte que c'est depuis là que tu as perdu quelque chose. Je te dis, humilie-toi, repens-toi, mon serviteur, et je te bénirai. Je te bénirai, dit le Seigneur. Tu as vu la croissance de ton église s'arrêter. Tu as vu l'onction diminuer sur ta vie. Repens-toi, je te bénirai, dit le Seigneur. N'aie pas peur de t'humilier, je te bénirai, dit le Seigneur. Je te bénirai, dit Jésus. Je te bénirai, dit Jésus. Alléluia. Alléluia. Je veux parler à plusieurs personnes ce soir. Il est écrit dans le livre d'Osée, leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à Dieu parce que l'Esprit
de prostitution est au milieu d'eux et ils ne connaissent pas l'Éternel. Et je veux être très clair et dans l'amour, frères et sœurs, mais plusieurs d'entre vous, le feu n'est plus dans votre vie parce que vous êtes liés et vous êtes noués avec un esprit de prostitution. Et vous ne pouvez pas, vos œuvres ne vous permettent pas de revenir à Dieu à cause de cet esprit de prostitution, un esprit d'adultère. Et vous savez ce que fait une personne qui vit dans l'adultère ? Une personne qui vit dans l'adultère, elle est dans sa maison avec sa femme ou son mari, et ils vivent ensemble peut-être une certaine intimité, ils partagent des repas, et cette personne adultère, elle quitte la maison, et elle va dans la maison d'une autre personne, dans la chambre d'une autre personne, dans une chambre d'hôtel avec une autre personne, ou peut-être au travail, en communion avec une autre personne. Et elle est dans une relation adultère, amoureuse, puis elle retourne dans sa maison. Et comme si de rien n'était, elle continue de manger à la table avec son mari ou son épouse et continue d'être avec ses enfants. C'est l'esprit d'adultère. Et on se pose parfois la question, mais en regardant certaines personnes, comment ces personnes peuvent être en feu et pourquoi moi je ne suis pas en feu? Qu'est-ce qui se passe? On peut essayer de revenir à Dieu. Mais s'il y a un esprit de prostitution, s'il y a un esprit d'adultère, on peut être semblable à cette personne qui est là dans la maison avec Dieu. Mais dès qu'on peut, on sort pour aller faire toutes sortes de choses. Parfois, c'est un péché qui est clair et évident. Ça peut être la pornographie. Ça peut être l'amour de l'argent. Vouloir s'enrichir à tout prix. Ça peut être la jalousie, les critiques ou la calomnie. Du péché clair. Mais ça peut être aussi ce qu'est le péché, manquer le but et la cible. S'attacher à toutes sortes de distractions et de choses. Être constamment sur ces réseaux sociaux et je parlais de Netflix tout à l'heure, des séries à n'en plus finir. Et perdre le feu et la passion. Et notre esprit est complètement partagé. Et comment Dieu pourrait remplir un tel esprit de sa présence, lui qui est jaloux. Dieu est jaloux. Mon frère, ma soeur, Dieu est jaloux. Et l'esprit qu'il a fait habiter en toi est tellement précieux pour lui. Il le chérit tellement qu'il jalouse son esprit qu'il a fait habiter en toi. Et je veux à nouveau faire cet appel. Si tu réalises, c'est clair, je suis prostitué. J'étais adultère. Ma vie ne reflète pas celle que le Seigneur voudrait, et je le sais. Si tu as perdu l'esprit de prière, la prière pour toi, c'est quelque chose que tu dois faire, ou alors tu pries seulement pour tes propres besoins, mais tu n'es pas un homme et une femme de prière. Si tu n'as plus de passion pour les perdus et tu peux passer des jours et des jours sans jamais penser à un perdu. Si tu vas dans ce qu'on appelle l'église et tu es là avec des frères et des sœurs et tu dis peut-être constamment « Mais pourquoi on ne pense pas à moi et pourquoi personne ne vient me voir ?» Et en fait, ton cœur n'est plus pour les autres, mais tu viens là pour toi. Si tu es constamment en train de critiquer, de regarder ce qui te va et ce qui ne va pas et tu fais ton propre jugement et tu juges constamment les autres, eh bien, tu es tellement loin du cœur de Dieu et de ce qu'il veut faire dans ta vie. Et je prie ce soir pour toi. Je veux t'encourager, si tu le peux, là où tu es, à te mettre à genoux et à demander sincèrement pardon. C'est sérieux. Ne pas avoir l'esprit de prière, ne pas être rempli du Saint-Esprit, n'est pas normal pour un enfant de Dieu. Il a dit, laissez-vous continuellement remplir par le Saint-Esprit. C'est la volonté de Dieu. Il veut te remplir et faire de toi un buisson ardent qui brûle sans cesse et qui brille sans cesse. Et là, alors que tu es à genoux, tu peux lui demander pardon sincèrement et lui laisser cet esprit d'adultère, cet esprit de prostitution. Seigneur, je t'avais donné ma vie, mais je me suis donné aussi à autre chose. Je me suis donné à quelqu'un. Je me suis donné à des passions.
Demande-lui pardon. En ce moment, en cet instant, au nom de Jésus-Christ. Que la gloire du Seigneur vienne sur toi maintenant. Et alors qu'Anne Clémence va chanter maintenant, la présence du Saint-Esprit descend sur toi. Et Dieu brûle tout ce qui n'est pas à sa gloire, alors que tu le déposes à l'autel et que tu déposes ton cœur et ta vie sur l'autel. L'Esprit de Jésus-Christ vient te purifier, vient te libérer. Sois libéré de l'esprit de prostitution. Sois libéré de l'esprit d'adultère. Au nom de Jésus-Christ. Et qu'une passion nouvelle vienne sur toi maintenant. Au nom de Jésus. Que le feu vienne maintenant. Je me livre totalement. Tu peux. Livre-toi à Dieu. Livre-toi à Dieu. Tu peux Il y en a, vous devez vous allonger là sur le sol, vous prosterner, étendre les mains, les bras vers lui. Je me Au Esprit de Dieu. Tu peux Je me Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oui, livre-toi. Livre-toi au Seigneur. Donne-toi tout entier à lui. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, oh Dieu. Quelqu'un doit demander pardon au Seigneur. Dieu t'a donné un conjoint et il est devenu le premier. Il est devenu une idole. Dieu t'a donné un travail et il est devenu une idole. Dieu t'a donné de l'argent et tu en as fait une idole. Tu t'es acheté des choses et ces choses sont devenues une passion dans ta vie. Ça peut être une moto, ça peut être une voiture, ça peut être un club de sport, ça peut être quelque chose, un abonnement que tu as et ça prend tellement de place, alors que cette place est pour Dieu. Cette place n'est pas pour ces choses, cette place est pour Dieu. Elle est réservée à Dieu. Ton cœur lui est réservé. Vie lui est réservée. Livre-toi, livre-toi, livre-toi ce soir. Je me livre à toi, Seigneur. J'aimerais juste lire juste un verset, comme une parole prophétique que Dieu donne pour son peuple ce soir. Il est écrit là, dans 1 Roi 18, au verset 31, prends cela comme une parole prophétique pour ta vie. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit « Israël sera son nom ». Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel une fosse de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur les holocaustes sur le bois. » Il dit « Faites-le une seconde fois. » Ils le firent une seconde fois. Il dit « Faites-le une troisième fois. » Ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Et le verset 38, « Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste et le bois, les pierres
la terre, il absorba l'eau qui était dans le fossé. Dieu vous demande, à travers cette soirée, ribabatso, raba, tara, kori, shata, ki ribababatso, ribabata, de rebâtir l'autel. Le feu n'est pas tombé sur le Carmel sans que l'autel n'ait été rétabli. Rétablissez l'autel, dit le Seigneur, dans vos maisons, dans vos vies de prière. Rétablissez l'autel et vous verrez, dit le Seigneur, le feu du Saint-Esprit tomber sur l'autel. Je scelle cette parole au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Rétablissez cet autel dans votre agenda également et faites de la place au Seigneur. Comment on peut être tellement passionné par des séries, avoir le temps et si peu pour le Seigneur. Et Dieu n'a pas terminé ce qu'il va faire ce soir. Il y a quelque chose qui se passe dans les cœurs. Il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ton cœur. Et alors que Frank nous a rejoint, Frank, bienvenue ce soir. Je vais te laisser toute la place pour nous encourager. Toujours dans ce thème de la passion pour merci Dieu. Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous savez, il y a quelque chose qui sort de plus en plus de ma bouche quand je suis chez moi, à EMCI, dans ma voiture, que je sois, peu importe où est-ce que je me trouve. De plus en plus, je me vois en train d'adorer Jésus. Et souvent, je vais juste dire Wonderful Jesus, merveilleux Jésus, merveilleux Jésus. J'ai l'impression qu'il y a une adoration, il y a une révérence qui grandit en moi. Et de plus en plus que je contemple sa personne, les gars, c'est ce que je vis. Je contemple sa personne et je regarde ce que dit la parole de Dieu concernant Jésus, concernant ce qu'il a fait pour moi, concernant ce qui est à venir, concernant ce qu'il m'a promis, de là où est-ce qu'il est venu me tirer, m'arracher dans la boue dans laquelle je me roulais. Il n'y a pas de honte. Vous savez, vous avez votre histoire, j'ai la mienne. Jésus est venu secourir chacun de nous. Personne n'était parfait, juste lui. Et là, on vient tout juste de prier d'être, pouvoir être libéré de certaines choses dans nos vies qui font compétition, je le dis comme ça, qui font compétition à Jésus et à Dieu. Vous savez, c'est tellement drôle comment qu'on peut être facilement détourné dans notre marche avec Dieu. Et tu vois, le peuple d'Israël, ils n'avaient même pas le Saint-Esprit en eux. Mais Moïse est monté sur la montagne et ils se font un veau d'or. Tu te dis, mais c'est complètement fou. Ils ont vu Moïse monter et la gloire de Dieu était là et ils ont commencé à se faire ce veau d'or, facilement éloignés, égarés des voies de Dieu. Et il y a un passage dans 1 Pierre, chapitre 2 et le verset 11, ça nous dit « Bien-aimés ». Et là, imaginez-vous Pierre qui le dit il y a 2000 ans quasiment aujourd'hui. Et là, il nous le dit à nous aujourd'hui. Et si eux, ils l'ont vécu, pourquoi est-ce que ça serait différent pour nous dans l'époque dans laquelle nous nous trouvons, alors qu'on peut être influencé plus que n'importe quelle autre génération dans l'histoire de l'humanité? Vous m'avez bien compris. Il n'y a pas une génération qui peut être autant manipuler, amener à penser, croire que, être tenté d'avoir des autels et de mettre Jésus, notre relation avec Dieu en compétition avec toutes autres sortes de choses, comme on l'a dit tout à l'heure, je n'ai même pas les énumérer, vous savez quels sont vos combats. Et Pierre a dit, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Ça fait combien de temps est-ce que tu t'es rappelé que ta vie ici sur terre n'est qu'une vapeur qui paraît pour un moment et qui disparaît aussitôt. Tu ne sais pas combien de temps tu vas marcher ici sur cette terre et après, tu vas devoir rendre des comptes pour ta vie ici que tu as eue.
Il dit, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Tout le monde sur la surface de cette terre a eu des combats, a des combats, a des tentations, est amené à vouloir être modelé selon le siècle présent, alors que la parole de Dieu nous dit de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Si tu as des combats, ce n'est pas mal parce que ça va arriver jusqu'à la fin de ta vie. Il va y avoir des combats qui vont être là, des tentations qui vont être là. La parole de Dieu dit que Jésus a été tenté en toutes choses, mais la différence entre lui et nous, c'est qu'il n'a jamais chuté. Et là, on a eu un temps de prière où est-ce qu'on s'est présenté au Seigneur, où est-ce qu'on a mis les choses qui étaient là dans nos vies, à vous tous qui avez décidé, et là, écoutez-moi, à vous tous qui avez décidé de mettre de côté ces choses qui vous ont éloigné de Dieu, vous avez eu la force et l'humilité de vous agenouiller devant Dieu et de dire, « Seigneur, prends ces choses qui sont dans ma vie. » Vous savez, Dieu, il ne va pas s'imposer. C'est à toi de lui laisser travailler et de faire son œuvre dans ta vie. Et là, j'ai envie de nous amener à quelque part d'autre aussi. Parce qu'on parle de passion et on parle de zèle. Et je vous l'ai dit que de plus en plus de ma bouche sort des paroles de révérence et d'adoration à Jésus. Un à un avec lui. Parce que je me rappelle toutes les facettes que Jésus peut avoir et qu'il a eues et qu'il nous a démontrées et qui sont à venir pour nos vies. Et peut-être que pour toi, dans ta propre vie, peut-être que tu es nouveau avec le Seigneur et ça fait pas longtemps que tu connais Jésus. Et tu dis, mais je me suis repenti et j'ai mis ces choses-là derrière moi et maintenant je veux avancer. Je veux t'amener à découvrir Jésus d'une nouvelle façon aujourd'hui. Et peut-être que ça fait des années que tu es dans l'Église, mais c'est complètement refroidi. C'est la familiarité, c'est le mépris de la parole qui est prêchée, c'est « je connais tout de la parole, les messages sont les mêmes » et tu t'es refroidi complètement à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il n'y a quasiment rien de plus puissant que de se souvenir de ce que Jésus a fait, de qui il est, pour nous et en nous et dans nos vies. Et aujourd'hui, je veux te rappeler qu'il a été 100% homme et qu'il a été tenté en toutes choses, comme je l'ai dit, mais sans fléchir le genou à ces choses, à ces tentations. Et donc, il te connaît dans ta souffrance. Il te connaît dans ce que tu traverses. Il sait être compatissant, être rempli de compassion. Il sait ce que tu vis parce qu'il est passé par les mêmes difficultés pendant qu'il était ici sur la terre. Imagine Dieu lui-même fait chair qui a pris la décision de mettre de côté sa divinité, ce qui faisait de lui Dieu, alors qu'il restait Dieu. Mais il a choisi de vivre ici sur terre comme un homme, 100% homme, afin de pouvoir prendre notre place parfaitement sur la croix. Donc, tu as Jésus qui te comprend en toutes choses. Et à toi, peut-être, qui s'est refroidi, je veux te rappeler aussi dans tout l'amour que je peux avoir, que Jésus va être celui qui va juger les vivants et les morts. Dans les Actes des apôtres, les disciples, les apôtres ont prêché et ils ont dit, nous avons reçu ce commandement de lui que nous devons prêcher que Jésus est le juge qui jugera les vivants et les morts. Ouais. Donc aujourd'hui, si tu m'entends et si tu entends ma voix, peu importe dans quel pays tu te trouves, Jésus un jour, tôt ou tard, que le monde le veuille ou pas, qu'il se dise, je ne crois pas en Dieu, tout ça c'est faux. Tôt ou tard, tout le monde devra faire face à Jésus. Est-ce que tu as oublié cette facette-là de lui qu'il te jugera? Autant que ce soit au tribunal de Christ, par rapport à ce que tu auras fait ici pour lui sur terre, ou que ce sera
de l'autre côté, du côté que tu ne voudras pas te trouver parce que tu n'auras pas fait la paix avec Dieu, tu vas avoir résisté à ce qu'il va vouloir faire dans ta vie et tu vas l'avoir refusé. Et là, tu ne veux pas faire face à ce juge en ce jour-là. Pour nous qui sommes sauvés, on sait ce qui nous attend. Mais pour ceux qui auront refusé, Jésus sera le juge parfait et juste. Et en même temps qu'il est ces deux choses-là, il est aussi le médiateur. Il est celui qui nous a réconciliés avec Dieu. Il est celui qui est le pont entre les hommes sur terre, pécheurs, et Dieu qui nous a tant aimés, qui a trouvé une solution et un chemin pour pouvoir nous réconcilier avec lui. Jésus le médiateur. Et en même temps qu'il est ça, il est aussi le puissant lion de Juda. Roi des rois. Personne ne peut se comparer à lui. Il est Seigneur des seigneurs. Aujourd'hui, il règne. Il règne pour l'éternité et il va continuer de régner pour toujours et à jamais. Et en même temps qu'il est le roi des rois et qu'il est cette image du lion fort au combat, il est en même temps l'agneau immolé. Celui qui est allé sur cette croix ôter le péché de l'humanité, pris sa place à la croix. Aujourd'hui, je peux me tenir devant Dieu, les yeux fermés, et dire merci Seigneur parce que tu m'as sauvé. Oui, Seigneur. Tu m'as pardonné. Je ne veux pas mépriser ce que j'ai reçu. Peut-être que j'ai mis de côté cette joie, la joie du salut que j'ai expérimenté il y a tellement d'années. Il y a peut-être quelques mois de cela, tu te réjouissais dans ce que Dieu avait fait dans ta vie. Et aujourd'hui, tu as méprisé, tu méprises ce que tu as reçu. N'oublie pas qu'il est l'agneau immolé qui ôte le péché du monde. Et que son sang aujourd'hui est toujours efficace et agissant pour ceux qui s'approchent de lui. Et il est digne de toute notre adoration. Il est l'agneau qui aujourd'hui est dans le ciel, dont les êtres vivants, les vieillards, les anges et ceux qui nous ont devancés témoignent, l'adorent, chantent à lui. Dans Apocalypse 5 et le verset 11, ça nous dit « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône. » C'est extraordinaire, frères et sœurs, vous qui m'écoutez, en ce moment, en cet instant, c'est ce qui se passe au ciel. Aujourd'hui, je veux que tu puisses ranimer la flamme. Tu t'es repenti et là, aujourd'hui, va dans un autre niveau. Sors des choses terrestres. Au lieu de t'accrocher, d'avoir les yeux fixés sur les choses de cette terre, comme l'apôtre Paul a dit dans Colossiens chapitre 3, « Ne vous affectionnez pas aux choses qui sont ici sur la terre, mais affectionnez-vous aux choses d'en haut. Oui. » Levez les yeux vers les choses éternelles. Pensez d'une nouvelle façon. Arrêtez de désirer ce qui est temporaire, là où la rouille va manger, où est-ce que ça va percer, où est-ce que les voleurs peuvent venir dérober, détruire, où est-ce que c'est temporaire. Toutes ces choses ne sont que momentanées. Oui. Tellement de croyants vivent leur vie chrétienne pour être seulement bénis alors qu'il y a plus que ça. Il y a une vie complètement livrée entre les mains de Jésus. Une vie où est-ce qu'on s'abandonne à lui continuellement? Où est-ce qu'on se dit, mais Jésus, tu es tout pour moi. Oui. Quelles sont les choses sur cette terre comparées à ce qui est devant moi dans l'éternité? Quelles sont ces choses? Ne sont rien. Ne sont rien comparées à la gloire à venir. Alléluia. Et là, les anges sont là, autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Et aujourd'hui, c'est toujours là. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre et sous la terre et sur la mer et tout ce qui s'y trouve, j'ai entendu qu'ils disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient « Amen » et les vieillards se prosternèrent et l'adorèrent. Oui, Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus. Oh, alléluia.
Oh, merveilleux Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons t'adorer pour qui tu es. Glorieux Seigneur. Parce que tu vis aujourd'hui encore. Parce que tu es celui qui a été manifesté. Tu es l'image de Dieu sur la terre. Tu es la volonté manifestée de Dieu pour les hommes ici-bas. Ton sang a été versé, coulé sur cette croix pour nous racheter. Tu es le roi des rois qui va régner pour toujours au siècle des siècles. Et alors que je parle de qui tu es, vous êtes chez vous, vous êtes là où vous vous trouvez et vous sentez l'amour, la passion. Vous vous dites, mais Jésus, je t'avais méprisé. J'avais oublié que tu étais ci et ça, et bien plus que tout ce que Frank a pu citer. Tu es bien plus que toutes ces choses. Tu es amalébroseta, indescriptible. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Les mots dans ma bouche, Jésus, les mots dans la bouche de Stéphane, de Jérémie, de tous ceux qui sont rachetés aujourd'hui sur la terre, sont bien trop faibles pour exprimer notre adoration. Nous voulons nous tourner vers toi. Nous voulons être passionnés de toi comme jamais auparavant. Jésus-Christ. Alors que c'est le tumulte sur cette terre et ce n'est pas la première fois que c'est arrivé. Nous ne voulons pas fléchir les genoux à ce que le monde nous demandera de faire. Nous refusons de fléchir le genou et d'oublier qui tu es, ce que tu as fait et que tu reviens nous chercher. Je me rappelle de Meshach, Shadrach et Abednego qui ont refusé de se conformer. Et qui ont dit, mais non, notre Dieu est puissant et il peut nous délivrer de cette fournaise ardente. Et là où tu te trouves, tu peux sentir que ces guerres et ces combats dans ta vie. Tu sens que tu es tiré d'un bord et d'un autre. Tu sens que, et je sens que c'est la réalité dans le monde spirituel, dans le monde de l'esprit en ce moment. Ta vie est en train d'être tiraillée. Il y a des oppressions qui viennent sur ta vie. Tu sens qu'il y a une pression qui est là pour t'éloigner des choses spirituelles, pour t'éloigner de Dieu. Au-delà de ton église locale, au-delà de des frères et des sœurs, c'est ta vie spirituelle, ta relation avec Dieu. Et aujourd'hui, au nom de Jésus, je proclame la délivrance de cette oppression. Sois libéré de cette oppression. Je prie contre ces esprits méchants qui avaient été assignés à ta vie pour t'éloigner de Dieu. Ces forces spirituelles que tu sentais te tirer à droite et à gauche. Nous prenons autorité maintenant ensemble, nous trois, sur ce plateau TV. Nous déclarons la liberté dans vos vies. Je proclame que les influences à l'école, au lycée, au secondaire, au cégep, à l'université, à tous les niveaux, que les oppressions et les tentations que le monde veut amener à cause d'une façon de penser, un courant, une mentalité qui est forte. Je prie que tu sois gardé de cela, toi qui es à l'école, environné de personnes qui ne croient pas en Dieu, alors que ta foi est mise à l'épreuve. Wow! 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 Jésus-Christ. Alors que alors que tu es tenté et que ta foi est mise à l'épreuve, là, je parle réellement de ta foi en Dieu. Je sens qu'il y en a plusieurs parmi vous, vous m'écoutez, vous êtes dans la 18, 19, 20, 25 ans, des amis, des personnes autour de vous, vous vous êtes créé des cercles d'amitié, mais ces gens vous tirent loin de la volonté de Dieu. Il y a des pensées contraires à ce que vous avez entendu tout au long de votre vie, qui sont après être semées. Et maintenant, par l'autorité du nom de Jésus qui m'a été délégué, je viens et j'arrache ces semences de l'intérieur de vous. Vos yeux spirituels s'ouvrent sur les vérités. Vos yeux spirituels s'ouvrent sur ce que le monde démoniaque veut essayer d'amener sur votre vie. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui saute maintenant de votre vie. Je prie, Seigneur, que tu gardes cette génération. Je prie que les vieillards, que ceux qui sont avancés en âge, qu'ils puissent être libérés de toute froideur spirituelle. Qu'ils se rappellent de qui tu es, Jésus. Je te remercie pour ton action en ce moment. Je te remercie parce que tu remplis, tu viens,
tu tires les uns et les autres à ta présence. Comme par un aimant, tu les attires à toi. Tu les attires à toi. Je prie que le compromis quitte votre vie. Je prie que le compromis par rapport à une vie de péché puisse être entièrement abandonné. Entièrement abandonné. L'obre sete baya male bro sete le brabaya soto. Rito to riba katu riba batseke rito to 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 rat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 a roto to 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 rabababababatsetetetetete roko to 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 rabababacho rabababatsa ratatatatata rito to 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 rabababatsa yoko riba bache ritata 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 skoria 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 brata 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 skori bababa. Il y a une onction forte qui vient maintenant sur la jeunesse. Il y a une onction forte pour les jeunes maintenant. Il y a une onction forte pour toucher les jeunes. Oui. Par la puissance du Saint-Esprit, je vois des jeunes qui ont des migraines derrière les écrans. Lorsque vous faites vos devoirs, que vous êtes derrière l'ordinateur, que vous travaillez, vous sentez comme des migraines qui viennent. Et je vois la puissance de Dieu qui vous touche maintenant. Oui. Ces migraines sont en train de vous quitter dans l'autorité du nom de Jésus. Je vois une jeune fille. Tu as des problèmes de peau, me dit le Seigneur. Tu as des problèmes de peau. Tu as été abusé et tu as développé en toi des craintes, des peurs et tu as de l'asthme. J'entends l'Esprit de Dieu me dire tu as des problèmes de peau et tu as de l'asthme. Le Seigneur te touche maintenant. Il te libère à distance. Il te guérit. La puissance de Dieu te touche. Elle te touche. Il y a des jeunes ici, à cause de traumatisme, dit le Seigneur, vous avez arrêté vos études, mais ce soir la puissance de Dieu vient sur vous. Vous allez reprendre vos études, dit le Seigneur. Vous allez reprendre et Dieu mettra sur vous la capacité d'étudier, de vous concentrer, de travailler, de gagner, d'avancer, de persévérer, parce que le Seigneur vous touche. Et je sens dans mon esprit que Dieu, plusieurs d'entre vous, Jésus vous baptise du Saint-Esprit ce soir. Il vous baptise du Saint-Esprit. Oh, simplement levez vos deux mains comme ça. Simplement. Et laissez la puissance de Dieu vous toucher. Laissez le feu vous toucher. Je vois, c'est comme en douceur dans l'esprit. Dieu prend vos langues. Dieu prend vos bouches. Il y a comme des syllabes qui sortent. Recevez maintenant le feu du Saint-Esprit. Commencez simplement. Commencez simplement. Karababata. Rabababa. 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 Continuez, continuez, continuez. Recevez, 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 recevez. Recevez le feu maintenant sur vous au nom de Jésus. Le feu sur vous. Et plusieurs d'entre vous allez servir le Seigneur. Il y a une vie de consécration qui revient. Il y a une vie d'onction qui va venir. Vous allez recevoir des rêves, des visions de la part du Seigneur. Vous allez retrouver le chemin de la prière. Il y a comme des cages spirituelles que Dieu ouvre maintenant et que Dieu brise dans le nom de Jésus. Des cages émotionnelles. Tu avais besoin de relations. Tu allais vers cet homme pour trouver du plaisir, de la joie, pour remplir le vide de ton cœur. Mais Jésus te libère ce soir. Il est l'époux parfait. Il est l'époux parfait. Il comble ton cœur, il comble ta vie, alléluia. Il te touche, il te touche. Reçois l'onction de délivrance, reçois l'onction de libération. Reçois maintenant dans l'autorité du nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Merci Saint-Esprit. Vous savez qui vous êtes. Merci Saint-Esprit. Vous à qui je m'adresse en ce moment par rapport à répondre à l'appel de Dieu. Il y a un moment dans ma vie où est-ce que je savais que Dieu m'appelait. Depuis que je suis jeune, je sais que Dieu m'avait appelé. Et j'ai résisté. Parce que pour moi, ici, où est-ce que j'habite, c'est pas quelque chose de commun. Il y avait comme une honte qui était rattachée un peu au fait d'être un prédicateur. De partager la parole de Dieu. De prendre position fermement vis-à-vis de Dieu et du fait de le suivre. En ce moment, vous êtes beaucoup à devoir prendre position par rapport à vos convictions et ce que vous croyez. Ouais. Vous écoutez ce live dans votre maison, peut-être vous êtes dans votre chambre d'étudiant, et vous devez prendre position maintenant.
et vous allez dire, je prends position pour toi, Dieu. Jésus, je vais parler de toi. La honte quitte ma vie. Tu ne m'as pas donné un esprit de timidité pour avoir honte de parler de toi. Aujourd'hui, je vous encourage, comme Paul l'a fait pour Timothée. N'ayez pas honte de ce que Dieu a mis dans votre cœur. Et là, je reviens à vous qui êtes appelés, vous le savez. Sachez-le, il y a peu d'ouvriers. Et j'ai dû prendre position alors que tout autour de moi disait le contraire. J'avais des plans et des projets personnels. J'avais une direction tout tracée. J'aurais pu faire des affaires comme je l'aurais voulu. Mais je savais que l'appel était là et j'ai résisté. Et aujourd'hui, Dieu te dit, prends position. Amen. Amen. Tu vas tourner en rond tant et aussi longtemps que tu ne vas pas entrer dans l'appel que j'ai tracé pour toi. Tu vas pouvoir faire ta vie comme bon te semble. Dieu ne va pas tordre ton bras, mais Dieu t'appelle et tu le sais. Et tôt ou tard, tu auras des comptes à rendre, tout comme moi, je vois, je vais en avoir. Aujourd'hui, prends position. Dis, Seigneur, je te suis. Je vais prêcher la parole, je vais la proclamer, peu importe ce que ça me coûtera. Je vais la proclamer avec force et rempli de l'Esprit. Amen. Je voulais juste confirmer cette parole. Il y a des jeunes d'appeler à faire des choix, me dit le Seigneur. Il y a certains jeunes qui sont appelés à aller loin dans les études, à faire des choses, à gagner beaucoup d'argent, mais il y a des jeunes d'appeler à servir le Seigneur et à faire des choix également. Comme Frank a dû le faire un jour, comme j'ai dû le faire un jour. Et vous sentez, parce que l'Esprit de Dieu vient maintenant sur vous. C'est comme un fardeau divin, un fardeau dans votre esprit. Vous sentez, c'est pour moi, je suis appelé à faire un choix. Je voulais m'engager à fond dans cette carrière, mais pour moi, il y a autre chose. Pour moi, il y a l'appel de Dieu. Pour moi, il y a le fardeau du service de Dieu. Et Dieu m'appelle à ne pas marcher comme les autres jeunes. Il y a quelque chose de supplémentaire sur ma vie. Il y a quelque chose de plus sur ma vie. Comme le prophète Jérémie, il t'a mis à part. Avant que même que tu naisses, il te connaissait déjà. Et il t'avait établi dans l'esprit. Alléluia. Oui. J'aimerais juste prier pour toi. Parce que comme Frank, moi aussi, en tant que fils de pasteur, j'ai reçu l'appel aussi au ministère. Et j'ai dû faire un jour des choix. J'ai dû faire un jour des choix. M'engager, engager ma vie. Engager mes priorités dans le choix de l'appel et du service de Dieu. Et j'aimerais tellement prier pour toi. Parce que je l'ai vécu un jour. Et j'aimerais simplement, pour te rejoindre, t'inviter à mettre la main sur ton cœur. Si tu sens, c'est pour moi. Dieu m'appelle. J'ai reçu le fardeau de Dieu. Il y a des choix que je dois faire. Je voulais aller dans une certaine direction, mais l'Esprit de Jésus ne me le permet pas. Comme Paul qui voulait aller en Bithynie, l'Esprit de Jésus ne lui permit pas. Et alors qu'il était en train de dormir, la Bible dit qu'une vision est venue. Un Macédonien qui m'a dit, viens et rejoins-nous. Rejoins-nous en Macédoine. Dieu vous appelle à rejoindre des personnes pour prêcher l'Évangile, pour prêcher le salut. Il y a des priorités dans votre vie. Mettez la main sur votre cœur. J'aimerais prier pour vous maintenant. Il y a des garçons, mais il y a également des filles. Me montre le Seigneur que Dieu veut toucher. Oh, il veut vous envoyer. Il veut vous envoyer dans la moisson. Il veut se servir de vous. Vous donnez puissamment son onction, ses dons de guérison, la capacité de prêcher, d'annoncer sa parole. Oh, mettez la main sur votre cœur. Alléluia. Père, je prie maintenant dans le nom de Jésus. Et je libère maintenant ton onction. Je libère maintenant le feu. Et le fardeau des âmes sur ses amis, sur ses jeunes hommes, ses jeunes filles. Je libère le fardeau des âmes. Ils seront différents. Comme Daniel était différent à Babylone, ils seront différents, mais tu seras avec eux. Tu seras avec eux. Tu les rempliras. Tu les utiliseras. Tu ouvriras des portes devant eux, Seigneur. Alléluia. Et ils prêcheront dans les nations. Père, je libère maintenant ton onction. Je libère tes dons. Je libère ton feu, je libère ta passion pour l'Évangile, alléluia. Et je prie, Seigneur, ce soir pour une chose particulièrement, c'est qu'ils tiennent ferme dans l'appel de Dieu. Qu'ils tiennent ferme, l'appel sera éprouvé. Dans la tempête, dans le feu de la vie parfois, dans les oppositions, l'appel sera éprouvé. Mais que la décision qu'ils prennent derrière l'écran aujourd'hui, tiens ferme, mon ami, tiens ferme. Jeune homme, jeune fille, tiens ferme. Dieu t'a appelé. Ne cherche pas l'approbation des hommes, cherche l'approbation de Dieu. C'est lui qui te confirmera. C'est lui qui te bénira. C'est lui qui t'utilisera. C'est lui qui le fera. Oh, c'est lui. Ah, oh, c'est lui qui le fera.
Plusieurs personnes, vous avez comme un... Alléluia. Un point noir sur le cœur. Et ce point noir, c'est cette chose que vous affectionnez, que vous avez du mal à lâcher. Et Dieu est prêt à prendre cette chose. Mais il faut que tu sois prêt ce soir à le lui remettre. J'ai lu tout à l'heure que quand l'esprit de prostitution est là, quand l'esprit d'adultère est là, on peut faire des œuvres. Et parce que cet esprit est là, on n'arrive pas à venir à Dieu. Et cette chose, elle ne doit pas juste être repoussée, elle ne doit pas juste être éloignée. On doit y renoncer. On doit la jeter. Oui, oui. Qu'elle soit mise à nu et qu'elle meure. Et ce soir, que ce point noir sur ton cœur soit enlevé au nom de Jésus-Christ. Oui. Que cette chose qui a pris la place de Dieu meure ce soir. Que les points noirs dans les cœurs au nom de Jésus-Christ soient anéantis par la puissance du Saint-Esprit. Père, que ta gloire vienne maintenant libérer ton peuple, libérer ces jeunes hommes, libérer ces jeunes filles, libérer ces hommes et ces femmes, oh Dieu. Je t'en prie, Père, là où l'amour du monde a régné, là où l'amour pour les choses de ce monde a régné, là où ton peuple qui était un peuple normalement consacré, que tu avais appelé à te servir, tu as dit que dans les derniers temps, tu te ferais une race royale, une nation sainte, des ambassadeurs pour Dieu le Père. Il ne s'agit pas seulement, Père, des ministères, il s'agit de tous tes enfants, qu'ils puissent te servir, Seigneur, avec entièreté, d'un cœur entier, d'un cœur complet. Père, je prie pour un peuple qui t'est consacré. Je prie pour un peuple qui soit rempli du Saint-Esprit. Je prie pour un peuple qui baigne tellement dans ta présence, oh Dieu, qu'il ne veuille plus jamais aller ailleurs. Oh, remplis-les du Saint-Esprit. Oh Dieu, remplis-les du Saint-Esprit. Si c'est toi, prends ce point noir et arrache-le. Arrache-le de ta vie. Oh Esprit de Dieu, viens et sature cette personne qui renonce à ce péché, qui renonce à cette mauvaise habitude, qui renonce à cet amour pour le monde. Je t'en prie, Père, je prie pour un peuple consacré. J'ai confiance en toi, oh Dieu. Et je sais qu'une simple prière fervente a la capacité de produire un changement, de transformer un cœur et une vie. Oh Dieu, je prie pour cette vie, Seigneur, qui était livrée au monde, cette vie qui était entre deux, que cette vie puisse t'appartenir, que ton esprit soit à l'aise dans son cœur, à l'aise en elle, à l'aise en lui, pour faire ce que tu as prévu de faire, et que plus jamais, en rentrant à la maison le soir, cette personne passe son temps encore et encore sur Internet, encore et encore à faire des choses qui ne produisent rien pour ton royaume, mais qu'à partir de ce moment, Père, tu lèves un peuple qui a faim et soif de ta présence, qui a faim et soif de t'adorer, qui a faim et soif, Seigneur, de prier, qui comprend l'importance de la prière, qui comprend l'importance du lieu secret. Oh Dieu, oui, on l'a entendu ce soir, on est voyageurs. On est voyageurs sur la terre. On ne veut pas s'attacher aux choses de ce monde. On ne veut pas courir après le néant. On ne veut pas courir après les choses, Seigneur, qui n'ont pas d'importance pour toi. Je prie, Père, que ce point noir disparaisse au nom glorieux de Jésus-Christ. La glorieuse liberté des enfants de Dieu. Il y a tellement de jeunes qui souffrent. Vous avez des oppressions spirituelles. Vous n'êtes pas bien à l'intérieur. Je vois des personnes qui se scarifient. Oui. Des personnes, vous vous faites saigner, vous vous frappez. Vous êtes là dans vos lits à faire toutes sortes de choses. Certains, ils voudraient vous étouffer avec vos oreillers. Mais au nom de Jésus-Christ, soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés.
de toute impureté, de toute souillure. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Oui. Soyez libérés de ces souillures et de cet esprit de prostitution qui a pris la place de Dieu. Seigneur, merci pour le feu. Le feu est la passion pour ton nom. Le feu est la passion pour ta parole. Le feu est la passion pour parler de toi. Le feu est la passion pour t'aimer, t'adorer, être juste avec toi, oh Dieu. Que personne ne soit plus jamais aussi important que toi. Jamais aucune activité, jamais aucun homme, jamais aucune femme. Prends la place, dis-lui, prends la place, prends la place, Seigneur, prends la place, pardon, 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 Seigneur, prends la place, prends la place, prends la place, oui. Merci, Seigneur, alléluia, merci, Seigneur, alléluia, merci, Seigneur, alléluia, Jésus-Christ, alléluia, merci, alléluia, je prie. Qu'à partir de ce jour, mon Père, je viens à toi et je te demande que l'œuvre que tu vas faire par le Saint-Esprit dans leur vie soit tellement profonde qu'il y ait une action tellement forte et puissante au courant de cette soirée que les personnes qui vous connaissent qu'il puisse dire qu'est-ce qui est arrivé à toi. Jésus. Qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie? Il y a une semaine, tu étais comme ceci, et là, aujourd'hui, tu es comme cela. Oui. Yes. Je prie que dans ton visage même, les personnes voient un changement. Merci, Seigneur. Ouh! Je prie que même où est-ce que c'était, on dirait comme des rides, il va même y avoir une transformation. Je prie, Père, que tu fasses le surnaturel, qu'il soit radiant, qu'il soit transformé, méconnaissable, que leur caractère soit entièrement bouleversé par ton esprit, qu'il y ait un changement profond. Je prie au nom de Jésus. Et que ton peuple se laisse façonner. Que les repentances soient telles ce soir, que leur vie ne soit plus jamais la même. Amen. Je prie cela, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen, Seigneur. Alléluia. Livre-toi, Seigneur, pendant ce chant. Renonce encore et consacre-toi. Et tu peux déclarer pendant ce chant ce que tu vas commencer à faire à partir de demain, ce qui va changer. Seigneur, sur nos vies. Dis-lui, envoie ta gloire sur moi, Seigneur. Ô Esprit de Dieu, feu dévorant,
feu de Dieu. Dis-lui, feu de Dieu, viens sur moi. Viens sur moi, feu de Dieu. Remplis-moi du Saint-Esprit. Le seul dans ma vie. Le seul dans ma vie. La première place, elle est pour toi. La deuxième place, elle est pour toi. La troisième place, elle est pour toi. Prends toute la place. Tellement merveilleux, Jésus-Christ. Et nous voulons t'adorer, Seigneur. T'adorer. Glorieux Jésus-Christ. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Remplis le cœur de ton peuple, Seigneur, à déborder de ta présence et que leur vie ne soit plus jamais la même. Que le feu du Saint-Esprit soit sur eux. Ta gloire les accompagne. Un feu nouveau dans leur cœur. Une nouvelle dimension dans leur vie de communion et d'intimité avec toi. Afin que même au milieu d'un grand groupe, d'un grand nombre de personnes, leurs yeux soient sur toi. Leurs oreilles spirituelles s'ouvrent pour avoir un cœur à cœur d'amour avec toi et discerner qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux partager. Oui, Jésus-Christ, tu lèves une génération d'hommes et de femmes qui te sont entièrement consacrés. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Merci. Gloire à Dieu, et si nous sommes appelés à l'adorer, à vivre pour lui, et nous le sommes, appelés par sa grâce, enfants de Dieu. Quelle grâce merveilleuse! Dieu veut aussi pour que nous puissions le servir avec joie, libérer nos corps de l'esclavage satanique, de l'oppression spirituelle, de la maladie et de l'infirmité. Et dans cette deuxième partie de soirée, nous avons à cœur de vous encourager et proclamer la parole de Dieu sur vos vies. Et j'aime cette parole de l'Écriture qui dit « Mais lorsque vous avez entendu la parole de Dieu, est-ce que vous avez reçu en accomplissant la loi ou parce que vous avez écouté avec foi ?» Et ce soir, mon frère, ma sœur, nous le savons pour l'avoir vécu dans les derniers lives de MCI. Lorsque quelqu'un écoute par la foi et dans la foi et qu'il s'accroche à la parole de Dieu et qu'il dit « C'est pour moi !» On a vu tellement de guérisons et de choses extraordinaires que Dieu a faites. Et ce soir, en cet instant, ce moment, alors que vous écoutez les paroles qui vont sortir de nos bouches et la voix du Saint-Esprit au-delà de ces mots, que la gloire de Jésus-Christ repose sur votre corps afin de vous rendre entièrement libre. Il veut le faire. Merci au Seigneur pour ce qu'il fait pour les autres, mais si ce soir tu as besoin un toucher de Dieu dans ton corps, il veut le faire. Ne te rejette pas, ne te laisse pas encore, ne te mets pas sur le côté, parce que Jésus veut le faire pour toi, parce qu'il t'aime.
Et alors que Michael nous a rejoints sur le plateau, bienvenue Michael. Avant de lui laisser toute la place, on va écouter un court témoignage d'une sœur qui a été visitée par le Seigneur et on va prier ensuite pour vous et proclamer la parole de Dieu. Bonsoir à toute l'équipe de EMCI TV. Je suis d'Haïti et j'ai tenu à partager mon témoignage de guérison miraculeuse avec vous afin de glorifier le nom de mon Seigneur. J'ai eu mes premières règles depuis l'âge de 10 ans. Et autant que je me rappelle, elles ont été toujours très douloureuses. À l'école, quand j'avais les règles, je ratais des jours de classe, je vomissais, j'avais la diarrhée. J'ai toujours été très mal au point où j'ai commencé à prendre tous les médicaments possibles et imaginables, passant des thés aux pilules de plus en plus fortes. Et à un certain moment, non seulement les pilules ne pouvaient me soulager, mais me donnaient d'énormes aigreurs d'estomac. Arrivé à l'âge adulte, je prenais des piqûres antidouleurs pour me soulager. Mon médecin me diagnostiqua une endométriose aiguë avec des kystes qu'il fallait opérer. Je ne me sentais pas prête pour être opérée et j'ai appris à me piquer moi-même à la jambe quand j'acceptais qu'il était normal que je souffre autant quand j'avais les règles. Et je me piquais plusieurs fois, tous les mois, pour pouvoir avoir un peu de soulagement. Je me rappelle un jour, j'étais en réunion à mon travail, alors que j'avais déjà pris une injection, la douleur me foudroya à un niveau tel que je pensais que mon cœur allait s'arrêter. Un collègue me passa mon sac à main et sans pouvoir me lever, je me fis une piqûre, mais je n'étais aucunement soulagée. Mes collègues, voyant que j'étais prête à m'évanouir, m'encourageaient à appeler mon gynécologue. Elle me prescrit d'autres piqûres antidouleurs plus fortes qu'on m'acheta rapidement. Et ce n'est qu'après avoir pris au moins 3 piqûres que j'ai eu un peu de soulagement. En tant que chrétienne, cette expérience me révolta à un point tel que je criai à Dieu pour me guérir de cette maladie. Je suis une passionnée de MCI TV. Je suis tombée sur une série d'émissions du pasteur Jérémy Soudril intitulée « Une semaine pour être guérie de cette maladie ». J'ai passé une semaine à méditer, à prier, à changer ma façon de penser et à accepter que ma guérison a été acquise par Jésus pour moi à la croix. Mes chers amis, le mois suivant, quand j'ai eu mes règles, je n'ai eu aucune douleur. Je n'ai bu aucune pilule et je n'ai pris aucune injection. Et cela fait déjà 4 mois. Je suis miraculeusement guérie de cette endométriose aiguë et des règles douloureuses. Je suis tellement reconnaissante que je ne saurais ne pas témoigner publiquement de la grandeur du Dieu merveilleux dans ma vie. Ce bon papa qui nous aime et veut tout ce qu'il y a de meilleur pour ses enfants. Je suis bénie d'être la fille de Dieu. Gloire à Dieu pour son amour et sa guérison sur ma vie. Merci Seigneur. Merci à MCI TV. Amen. Nous sommes tellement reconnaissants au Seigneur de ce qu'il a fait pour notre sœur. Merci pour votre courage aussi de témoigner. Et nous croyons que si vous êtes atteint aussi par cette maladie, ce soir, ça va être terminé. Et vous allez pouvoir entrer dans une nouvelle saison de grâce. Oui, il y a une saison de grâce de la part du Seigneur pour son peuple et pour vous, peut-être qui ne connaissez pas le Seigneur. Dieu vous aime et il veut manifester cet amour en vous guérissant et en vous libérant de toute oppression et de tout joug sur votre corps et sur vos pensées au nom de Jésus-Christ. Et j'ai la joie de recevoir un deuxième ami, Michael Lebeau, ami depuis de longues dates, bien sûr le fondateur de MCI. On est vraiment heureux de t'avoir avec nous. Et ce soir, tu vas nous encourager à nous saisir de notre guérison et de ce qui nous appartient en Jésus-Christ. Je vais te laisser la place. Bienvenue. Amen. Merci Jérémy. Content d'être avec vous, content d'être avec Stéphane, notre ami du sud de la France. Tellement, tellement bon d'être là ce soir avec vous. Et pendant ce temps de chant, je pensais à ce cantique qui dit « Nothing is impossible ». Je pensais à ce cantique et je me disais que ce soir, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Je pense à ce Jésus merveilleux qui parcourait les rues de Galilée, les rues de Jérusalem, les rues de Samarie. Et on amenait à lui tous les malades. Et la Bible dit qu'il guérissait tous les malades. Et ce soir, rien n'est impossible parce que Jésus-Christ de Nazareth est vivant, il est ressuscité. Et il veut te guérir de toutes tes maladies. Là où tu es, toi, ta famille, tes frères, tes sœurs, ton père, ta mère, ton conjoint,
tes enfants. Jésus-Christ le veut. Amen. Ce soir, tout est possible parce que la présence de Dieu est là sur ce plateau. Elle est présente chez toi, dans ta maison, là où tu es. Et ce soir, tout est possible parce qu'il y a quelqu'un qui croit. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors je veux t'encourager, ce soir, tu as peut-être beaucoup prié, tu as peut-être appris à vivre avec cette maladie. Mais ce soir, je veux croire, et je veux que tu crois avec moi, je veux que tu crois avec nous, que ce soir, tout est possible. Et que cette maladie qui t'a fait tant souffrir, cette maladie qui a fait tant souffrir ce proche qui est avec toi, ce soir, elle peut être terrassée au nom de Jésus et quitter définitivement ta vie. Je vais te laisser la parole, mais juste avant que tu continues, si vous connaissez, s'il vous plaît, frères et sœurs, un voisin, quelqu'un dans votre famille, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, à qui vous avez eu l'occasion de parler, vous l'avez sur votre téléphone, dans vos contacts, vous l'avez peut-être sur WhatsApp ou je ne sais où, s'il vous plaît, quelqu'un qui est malade, prenez un instant, ça peut être un de leurs enfants, juste pour leur dire, s'il te plaît, regarde cette émission, c'est un live, c'est en ce moment, et tu peux être guéri. Ouais. Vous ne savez pas ce que Dieu peut faire juste par votre voix, ce petit temps que vous allez prendre juste pour partager. Dieu peut tout faire. Et Dieu aime tellement pouvoir se manifester, se révéler envers ceux qui souffrent. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui souffre, je veux vraiment vous encourager, s'il vous plaît. Alors qu'on est dans cette deuxième partie de ce live, à partager rapidement cette émission en live. Donc vous pouvez aller sur YouTube et en bas, vous avez le petit bouton partager. Vous copiez simplement et vous l'envoyez sur WhatsApp, par téléphone. Vous pouvez aussi dire à la personne de se rejoindre, donc, ou de vous rejoindre. Et si c'est un voisin, peut-être même il peut venir rapidement chez vous. Si vous êtes dans un immeuble, par exemple. Là, je te laisse la parole, Michael. Yes. Gloire à Dieu. Alors, si vous nous rejoignez parce qu'un de vos amis vous a envoyé un lien, sachez que vous êtes au bon endroit pour vivre l'expérience que peut-être vous n'avez jamais vécue de votre vie. Le Seigneur vous aime et il veut vous toucher, il veut vous guérir ce soir. Et alors que je priais pour ce programme, pour ce live, le Saint-Esprit m'a mis à cœur ce passage que j'aimerais vous lire dans Jean au chapitre 3 et au verset 14. Ce petit verset extraordinaire dans lequel se trouve toute la plénitude de la bonne nouvelle de l'Évangile, toute la puissance de Dieu. Jean chapitre 3, verset 14, Jésus dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Le Seigneur Jésus, ici, dans ce passage, dit qu'il va être élevé, tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert. Et vous connaissez sûrement cette histoire pour ceux qui fréquentent les églises, pour ceux qui sont à Jésus, pour ceux qui connaissent Dieu, cette histoire bien connue de la parole de Dieu qui dit que Moïse avait conduit le peuple d'Israël vers Canaan. Ils étaient en route vers la terre promise. Ils sortaient de l'Égypte. Et alors qu'ils étaient en route vers Canaan, le peuple d'Israël s'est mis à murmurer et à parler contre Dieu et contre Moïse. Et ce jour-là, ils ont commis un grand péché. Et parce qu'ils ont péché, la grâce de Dieu s'est retirée. Parce qu'ils ont péché, ils se sont placés sous la malédiction. La malédiction s'est attaché à eux. Et lorsque la malédiction s'est attachée à eux, à cause du péché, il y a eu des conséquences immédiates. Des serpents venimeux sont venus de toutes parts, par milliers. Ils étaient jusque-là peut-être retenus par la grâce de Dieu. Mais lorsqu'ils ont péché et que la malédiction s'est attachée pleinement à eux, voilà que la conséquence est venue. Ces serpents sont venus et ont commencé à mordre des hommes par milliers. Et la Bible dit que de nombreuses personnes, beaucoup de personnes du peuple sont mortes ce jour-là. Certains étaient en train d'être mordus et ils étaient en train de mourir. Et le peuple, dans leur agonie, s'est tourné vers Moïse. Et ils ont dit, Moïse, implore Dieu, que Dieu fasse quelque chose pour nous trouver un remède, pour nous guérir, parce que là, nous sommes en train de mourir. Et Moïse a prié Dieu et Dieu lui a dit, Moïse, fais-toi un serpent de bronze, fais fondre du bronze. Fais-toi un serpent de bronze, élève-le sur une perche. Et la Bible dit que quiconque regardera ce serpent
de bronze élevé sur cette perche. Quiconque croira en la promesse que Dieu a faite et qui regardera ce serpent de bronze élevé sur la perche sera sauvé. Et ce jour-là, il n'était plus question d'essayer de trouver des solutions par soi-même. Il n'était plus question d'essayer d'expulser ce venin et de faire sortir cette malédiction de leur vie. Mais ce jour-là, ceux qui avaient cru en la promesse et qui avaient fixé leur regard sur ce drôle de remède que Dieu avait suscité, qui semblait être une folie. On s'est fait mordre par des serpents. On est en train de littéralement tous mourir, nos enfants, nos familles, nos frères, nos sœurs, nos pères, nos mères, nous-mêmes. Et Dieu nous demande une chose simple, de regarder un serpent élevé sur une perche. Mes chers amis, ce jour-là, tous ceux qui ont cru en cette promesse, tous ceux qui ont cru en la parole de Dieu, tous ceux qui ont regardé à ce serpent élevé ont été sauvés et immédiatement guéris. Et cette plaie, cette malédiction a quitté leur vie. Pourquoi Dieu, Jésus-Christ, prend cette image pour dire, de la même manière que ce serpent a été élevé, de la même manière, moi, Jésus-Christ, je vais être élevé, afin que quiconque regarde à moi sur cette croix sera sauvé. Dieu est un grand artiste. Et il avait prévu à l'avance, des centaines d'années d'avance, des milliers même, qu'un jour, il aurait un plan de rédemption, un plan de délivrance, un plan de restauration, un plan de guérison pour tous les hommes qui souffrent. Et ce plan, c'était de la même manière, il l'a illustré de cette façon, mais de la même manière, son plan était d'envoyer son Fils sur cette terre, Jésus-Christ, afin que Jésus-Christ ne soit pas élevé sur une perche, mais qu'il soit élevé sur cette montagne appelée le mont de Golgotha, sur un bois, sur une croix infâme. Et c'est là que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'est retrouvé cloué et élevé aux yeux de tous, aux yeux de tout le peuple d'Israël, aux yeux de toute l'humanité, sur cette croix agonisant. Mais vous allez me dire pourquoi comparer un serpent à Jésus-Christ? Pourquoi comparer un objet de malédiction à Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, lui qui n'a commis aucun péché? Pourquoi pas une colombe? Pourquoi Moïse n'a pas élevé une colombe pour qu'on regarde une colombe? Parce que Dieu voulait nous faire passer le message le plus extraordinaire qui soit. Et peut-être que tu n'as pas encore compris en profondeur, peut-être que tu n'as pas encore réalisé jusqu'à aujourd'hui l'œuvre extraordinaire, le salut extraordinaire, l'œuvre extraordinaire que Jésus a accomplie à la croix. C'est juste extraordinaire, mais la Bible nous dit que le prophète Ésaïe, encore des années avant que Jésus ne soit élevé sur cette croix, avant que Jésus ne donne sa vie sur cette croix et ne soit cloué sur cette croix, le prophète Ésaïe lui a vu et a compris ce qui se passait. Jésus, sur cette croix, n'était plus le Jésus béni. Jésus sur cette croix n'était plus le Jésus glorieux. Jésus sur cette croix est devenu la pire abomination qui soit. Jésus sur cette croix est devenu la pire malédiction qui soit. Jésus sur cette croix est devenu la chose la plus répugnante qui puisse être sur la terre. Jésus-Christ est devenu un objet de complète malédiction. Comme le serpent est un être maudit, Jésus-Christ, à la croix, a été maudit. Ésaïe a vu cette scène. Ésaïe a compris ce qui se passait parce que spirituellement, les hommes ont vu Jésus-Christ crucifié. Mais spirituellement, frères et sœurs, Jésus-Christ crucifié, il a été crucifié. Et au moment où il a été crucifié, la Bible dit qu'il a porté toutes nos fautes. Tes péchés, mes péchés, les péchés de l'humanité tout entière sont allés sur Jésus. Il a plu à Dieu de transférer les péchés du monde entier sur Jésus. Tes fautes, les vols, les mensonges, les péchés, les fautes sont tombés sur Jésus. Lui qui n'avait jamais commis aucun péché, lui qui était Dieu, Fils de Dieu, venu sur cette terre, il est venu pour donner sa vie et pour être fait malédiction. Jésus-Christ a littéralement porté tous nos péchés. La condamnation, la malédiction s'est abattue sur Jésus comme la foudre s'abat sur un arbre. Et Jésus-Christ a été maudit de Dieu.
la colère de son Père s'est abattue sur lui parce que tes péchés, mes péchés, sont allés sur Jésus. C'est l'innocent qui a choisi de prendre la place pour nous, les coupables. Alors on aurait dû être maudits à cause de nos fautes. On aurait dû être sur cette croix clouée. On aurait dû être condamnés. Mais c'est Jésus qui a pris notre place. Voyez-vous, quand quelqu'un pêche, il est séparé de Dieu et la malédiction s'attache à lui. La malédiction, c'est cette punition extrême de la honte, cette punition extrême de l'humiliation, cette punition extrême de la souffrance, de la douleur, de la mort et cette malédiction terrible, frères et sœurs, parce qu'il a été fait péché à notre place. S'est abattu sur Jésus et il a plu à Dieu de briser son propre fils par la souffrance. Jésus-Christ de Nazareth a porté, il a porté toutes nos souffrances. Jésus-Christ sur cette croix a porté toutes tes souffrances. Toute la souffrance qu'engendrait la malédiction de celui qui était pécheur. Toute la souffrance qu'engendrait la malédiction de celui qui tombait entre les mains du diable et qui était entre les mains du bourreau du diable s'est retrouvée sur Jésus-Christ. Et Jésus a souffert toute la souffrance que la malédiction engendrait. Toute la souffrance. Dans le jardin de Gethsémané, Jésus était là en proie, il voyait prophétiquement ce qui allait se passer. Et le stress l'a tellement envahi de voir cette souffrance qui allait le saisir que des grumeaux de sang ont commencé à couler sur son visage. Un stress extrême. La médecine dit qu'il n'y a pas de stress qui, aussi grand que celui-ci qui peut produire un écoulement de sang sur notre peau. Mais Jésus, rien qu'à la vue de ce qu'il allait subir, le stress l'a envahi. Mais il a décidé par amour pour toi et pour moi de prendre notre place. Il a décidé de souffrir pour que plus jamais son peuple, ceux qu'il aime, n'aient à souffrir. Alors, frères et sœurs, je ne sais pas quelle souffrance tu portes aujourd'hui. Je ne sais pas quelle maladie fait souffrir ton corps aujourd'hui. Mais j'aimerais te dire que Jésus-Christ a été meurtri. Et Jésus-Christ a souffert afin que tu n'aies plus à souffrir. C'est complètement injuste de continuer à porter cette souffrance si tu appartiens à Jésus. Parce que Jésus a souffert et il a tout accompli afin que tu n'aies plus à souffrir. Il a été fait malédiction, il a porté cette malédiction afin que tu n'aies plus à porter la malédiction de la maladie dans ta vie. Aujourd'hui, cette malédiction est illégale si elle s'est attachée à toi et que tu es enfant de Dieu. Je vais finir par là, mais j'aimerais juste que tu puisses réaliser à quel point Jésus-Christ a été maudit. Le psalmiste, le roi David, a vu prophétiquement ce qui allait arriver à la croix. Et il a décrit Jésus, il a dit « Jésus-Christ est devenu la honte de l'humanité ». Le regard du Père s'est même détourné de Jésus tellement toute la malédiction, tout le péché s'est attaché à lui. Il a porté toute la souffrance de la honte et de l'humiliation que tu as pu subir. Le psaume 22 raconte ce qui s'est passé à la croix. Il était semblable à un ver qu'on avait dénudé. Tous les hommes, tous ceux qui le croisaient, le méprisaient. Il a été abandonné de tous, pas un seul s'est levé pour plaider sa cause. Au contraire, la foule a préféré qu'un meurtrier, un voleur, un brigand soit libéré plutôt que Jésus-Christ. Il a été méprisé par tous. Les soldats l'ont déshabillé devant tous comme un ver dénudé. Lui, le Fils du Dieu. Lui, celui qui a tant aimé l'humanité, lui qui a créé toute chose, a décidé de boire cette coupe de souffrance pour que tu n'aies plus jamais à souffrir, pour que la maladie soit éradiquée de ta vie. Alors aujourd'hui, c'est avec une foi violente qu'on doit s'opposer en tant qu'enfant de Dieu à cette malédiction et à cette maladie. Parce que lui a subi la honte. On l'a dénudé complètement. On lui a mis une couronne d'épines. On lui a dit, si tu es le roi des Juifs, si tu es le roi, si tu es le Fils de Dieu, si tu es réellement le roi, tiens, voilà ta couronne.
l'humiliation totale d'une couronne d'épines qu'on a plantée dans son visage. On a pris un roseau qu'on a mis dans sa main, qui tranchait sa main. On a ensuite pris ce roseau et on le frappait au visage. On lui a craché au visage. Croyez-vous que c'est en vain que Christ a subi les souffrances d'une telle humiliation? Jamais homme d'un rang comme lui n'a été humilié comme lui. Mais s'il l'a fait, c'était ton humiliation, mon humiliation, les conséquences de la malédiction qu'il était en train de porter. C'était les nôtres, frères et sœurs, afin qu'on ait pu aller supporter aujourd'hui. Il a été humilié au plus haut point devant les enfants, devant les hommes, devant les femmes, dans sa nudité clouée sur cette croix. Mais il a aussi souffert dans son corps. Et la Bible dit que par ses meurtrissures, par les blessures qu'il a souffert, il a porté les conséquences de la maladie. La maladie, c'est l'une des plaies de la malédiction les plus grandes, frères et sœurs. La maladie, elle a pour objectif, entre les mains du diable qui est son maître, de détruire les corps, de détruire votre chair, de détruire vos organes, de compresser votre cerveau, vos pensées, de vous opprimer et de vous oppresser jusqu'à vous conduire jusqu'à la mort. La maladie est une terrible malédiction pour ceux qui ont péché. Mais Jésus-Christ a aussi souffert à cette croix et il a été aussi... Il a aussi porté cette maladie afin que nous n'ayons plus à la porter. Il s'est chargé de toutes les souffrances occasionnées par toutes les maladies du monde. Quelle est cette maladie qui te ronge aujourd'hui? Tes yeux, tes organes, ta peau, tes cellules, ton sang, ta tête, quelle qu'elle soit, tes membres. La Bible dit que sur la croix, psaume 22, toujours décrit avec une telle profondeur ce que Jésus a ressenti et son agonie. La Bible dit que Jésus-Christ sur cette croix, sa langue se coller à son palais. La Bible dit que ses os se disloquaient. La Bible dit que ses mains étaient percées et que son cœur était comme de la cire qui fondait au fond de lui. Une agonie et une souffrance, je le crois, comme jamais homme n'a souffert. Les soldats romains prenaient ses fouets. Et alors que lui-même a décidé de donner son dos aux laboureurs, par amour pour toi, par amour pour moi, par amour pour nous, afin qu'on ait pu à donner notre dos à la malédiction, afin qu'on ait pu à donner notre dos au diable, afin qu'on ait pu à subir les plaies de l'ulcère, les plaies du cancer, les plaies de la souffrance. Il a donné son dos à ces Romains qui ont apporté à son corps plus de souffrance encore que toutes les maladies qui pouvaient y aller. Ce fouet était avec des bouts de vis, des bouts de clous, lacérer sa chair comme un champ qu'on labourait. Et ils ont donné 39 coups de fouet au Fils de Dieu qui restait là, silencieux comme une brebis muette devant ceux qui la tombent. Il supportait le châtiment injuste qu'on lui faisait subir parce qu'il avait une mission. Père, je vais boire cette coupe de souffrance. Je ne suis pas obligé de la boire. Mais puisque c'est ce par quoi il faut passer pour que ce que j'aime et ce que tu aimes n'aient plus à souffrir, Père, je donnerai mon dos au diable. Il a donné son dos aux puissances des ténèbres. Et la malédiction du monde entier s'est abattue sur Jésus et son dos a été lacéré. Son visage était tellement défiguré que son apparence n'avait même plus l'apparence d'un homme. Voilà comment on a traité le Fils de Dieu. Et voilà comment il a accepté par amour d'être traité. Il est allé jusqu'à cette croix, porter cette lourde croix, après avoir été flagellé, meurtri. Portant en son cœur ton nom, mon nom, pensant à nous et à la joie qu'on aurait à ne plus être esclave du diable et esclave de la maladie. Il s'est livré à la croix. Les mains clouées, les pieds cloués, suspendus sur cette croix, il a été meurtri. Son flanc a été transpercé. Et c'est ce que Jésus a fait, afin de souffrir complètement pour que toute la souffrance liée à la malédiction soit portée, pour que justice soit faite et que nous n'ayons plus à la porter. Alors je finis là, frères et sœurs. Toi qui as compris et qui comprends que Jésus-Christ a pris notre place à tous, que Jésus-Christ a été maudit, afin qu'on n'ait plus à être maudit. Jésus-Christ a été méprisé, rejeté, et même son propre Père au ciel a détourné son regard.
tellement il était devenu une abomination de la malédiction, le siège de la malédiction. Pour que nous n'ayons plus à le supporter. Aujourd'hui, qu'est-ce que cela fait naître en toi? Je me souviens de ce jour où j'étais là, dans ma chambre, et j'étais malade. Et j'avais prié à plusieurs reprises pour que cette douleur quitte ma jambe. Ça faisait plusieurs semaines que je souffrais. Je n'arrivais plus vraiment à conduire avec mon pied. Et j'étais là et je priais. Et à un moment donné, et ça m'est arrivé plusieurs fois, pour les oppressions, pour la honte, pour ce qu'on a pu dire de mal de moi qui m'oppressait, à chaque fois, l'Esprit de Dieu m'a conduit vers la même chose. Il m'a conduit à regarder le serpent qui a été élevé. Il m'a conduit à regarder celui qui a été maudit, qui a été élevé sur cette croix, celui qui a souffert et qui a porté les souffrances afin que je n'aie plus à souffrir. Et j'étais là dans ma chambre, je montais les escaliers et je pensais à Jésus crucifié. Et quand j'ai pensé à Jésus crucifié, il y a une colère qui est montée en moi, une sainte colère. Et j'ai dit, non Satan, non maladie, tu n'as pas le droit de rester dans ma chambre. Parce que Jésus a été meurtri, son dos a été labouré, ses pieds ont été percés, afin que par ses meurtrissures, moi, je n'ai plus à souffrir et à porter cette maladie. Alors j'ai dit, au nom de Jésus, je refuse cette maladie. Je te le commande au nom de Jésus. Pied soit guéri. J'ai pris mon pied et je l'ai frappé. Mes frères et sœurs, la douleur a immédiatement disparu. Combien de fois nous acceptons de subir ce que Christ a déjà subi? Combien de fois acceptons-nous de souffrir alors que Christ a déjà souffert? C'est tellement glorieux. L'apôtre Paul a dit qu'il était au milieu des Corinthiens dans un état de grande faiblesse et de grand tremblement. Mais il n'a voulu savoir autre chose au milieu d'eux. Il n'a voulu avoir à la pensée rien d'autre que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Parce qu'il y a la puissance qui se dégage dans notre cœur. Parce qu'il y a la foi qui monte à l'intérieur d'un cœur lorsqu'on réalise ce que Jésus a fait. Lorsqu'on réalise la splendeur de l'œuvre de l'innocent qui prend la place du coupable. Lorsqu'on réalise qu'il a tout accompli. Et aujourd'hui, là où tu es, je prie que la foi naisse dans ton cœur. Mais oui, puisqu'il a souffert, je n'ai plus à souffrir. Puisqu'il a porté, je n'ai plus à la porter. Alors, comme Paul le dit, la prédication de la croix semble être une folie, comme ce serpent d'airain de bronze suspendu semble être une folie. Mais Jésus-Christ crucifié est le seul remède au pardon des péchés. Jésus-Christ crucifié à la croix de Golgotha est le seul remède pour libérer la puissance de guérison. Et il y a une puissance de guérison qui se dégage de l'œuvre de la croix depuis que Jésus-Christ a été crucifié. Le ciel s'est ouvert, le voile a été déchiré. Et aujourd'hui, là où tu es, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande maintenant à ce que cette maladie et cette malédiction et cette souffrance qui s'est attachée à toi depuis tant d'années cesse parce que le Fils de Dieu a souffert. Que maintenant, là où tu es, tu puisses lever tes mains. Lever tes mains. Lever tes mains. Et recevoir, recevoir, recevoir pleinement ta guérison. Là où tu es. Par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Tu es celui qui a pris ma place, afin que je n'aie plus à souffrir. Alors au nom de Jésus-Christ, lève-toi, marche et fais ce que tu ne pouvais pas faire. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les œuvres des ténèbres maintenant quittent ta vie. Écoute-moi bien Satan, au nom de Jésus. Libère cette personne. Retire-toi maintenant. Tu dois partir au nom de Jésus. Et tout fléau de malédiction, toute maladie, nous te chassons dans le nom de Jésus-Christ. Jésus t'a cloué à la croix. Il a porté nos souffrances. Et par ses meurtrissures, la guérison maintenant est libérée au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Là où tu es, on va prendre un temps vraiment de prière et que vraiment tu puisses manifester la foi. Il y a quelqu'un qui doit se lever dans la foi maintenant. Ouais. Je sais que le pasteur Stéphane va nous exhorter à la foi. Et puis après son exhortation, on va se lever et refuser ce qui est inacceptable.
parce que Jésus a tout accompli. Alléluia. Alléluia. Je voudrais qu'avant que Stéphane, pasteur Stéphane, puisse porter encore une parole de foi, parce qu'on va avoir un temps très clair pour que vous puissiez recevoir, que pendant ce court chant, vous puissiez vous disposer. Et peut-être vous êtes en couple et vous savez que l'un de vous est malade. Et je voudrais que vous puissiez prendre votre conjoint par la main. Peut-être c'est un ami ou peut-être c'est un enfant. Et dire, est-ce que tu es prêt ce soir? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Et si c'est vous qui êtes malade et cette personne maintenant vous demande si vous croyez, vous ne ressentez pas que vous croyez, il ne s'agit pas d'une sensation. La foi n'est pas une sensation. Et dire, je crois. Je crois. Et pendant ce chant, disposez-vous simplement. Appelez le règne de Jésus dans votre corps et votre héritage. De ta puissance, Seigneur. Et ouvre les écluses. Dis-lui ce soir que les écluses des cieux descendent sur mon corps malade et qu'il soit guéri. Ce soir, les écluses du ciel sont ouvertes grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Et pendant que le pasteur Stéphane va proclamer la parole, vraiment, continuez à vous disposer que votre corps s'ouvre à la présence de Jésus. Et il y a un verset qu'on oublie souvent, qui se trouve dans ce chapitre bien connu de la foi, Hébreux 11, où il est écrit que par la foi, des personnes reprirent des forces après avoir été malades. Et si vous êtes malade ce soir, par la foi, vous pouvez être rétabli, être fortifié, et être entièrement libéré par la foi. Stéphane, je te laisse la parole. Alléluia. Amen. Je remercie Michael pour ce beau message qu'il nous a apporté sur la croix.
Je crois que c'est pour moi important, c'est une introduction. Je prêche sur la foi, je prêche beaucoup sur la foi. Dans mon église locale, on exhorte beaucoup à la foi. Mais s'il n'y a pas un message clair sur la croix, alors la foi n'est pas possible parce que tout ce qu'on va vivre par la foi, Jésus l'a acquis pour nous à la croix. Et quelque part, souvent, je dis que les bénédictions spirituelles sont dans les lieux célestes, dans le troisième ciel. Mais la main qui va chercher ces bénédictions dans les lieux célestes, c'est la foi. C'est la foi. Et tu as besoin d'être dans la foi ce soir. Et je sens dans mon esprit, après ce court message, on va prier. Je sens que Dieu va guérir beaucoup de malades. Je sens qu'il y a une montée qui est là dans l'esprit prophétique. On sent des paroles de connaissance qui viennent dans notre esprit. Et on va juste déclarer ces choses. Et là où tu es, tu vas toucher le bord du vêtement de Jésus et tu vas recevoir ta guérison. D'ailleurs, je vais lire une histoire qui nous parle de la femme à la perte de sang. Dans Marc 5, versets 25 à 35, il est écrit « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant, peut-être comme toi ce soir. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière, et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant, oh, je l'imagine au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds, lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, ta sozo, alléluia. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Alléluia. » On voit que cette femme, elle souffrait depuis 12 ans. Et un jour, le Saint-Esprit m'a dit, « Stéphane, est-ce que tu sais pourquoi ?» Régulièrement, dans la guérison divine, dans plusieurs textes bibliques, je nomme le nombre d'années de souffrance des gens. C'est pour dire qu'il n'est jamais trop tard pour recevoir sa guérison. La Bible parle d'une femme courbée depuis 18 ans. Elle est malade depuis 12 ans. La Bible dit que le peuple d'Israël est resté en esclavage 430 ans. Dans Jean chapitre 5, il y a un homme qui est malade depuis 38 ans. J'aimerais te dire une chose, qui que tu sois, où que tu sois, Jésus n'a pas dit son dernier mot pour toi. Il veut encore te toucher, il veut encore te restaurer, il veut encore te guérir. Mais regarde ce que cette femme a fait. Lorsque nous lisons ce texte, nous trouvons trois pas de foi que cette femme a fait. Et je vais simplement t'amener, pas après pas, à faire avec moi ces trois pas de foi ce soir. Et je crois que là où tu es, tu vas recevoir ta guérison. Alléluia. La première chose, c'est qu'elle a entendu parler de Jésus. Au verset 27, on l'a lu ensemble, « Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule et toucha son vêtement. » Voilà pourquoi ce genre de programme est fait ce soir. Ce genre de programme est fait pour que tu entendes parler de Jésus. Et tu es dans ta maison et tu as besoin de couper tout ce qui est extérieur à Jésus et d'entendre le message de l'Évangile. Parce que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Et moi, j'imagine cette femme. Elle est malade depuis 12 ans. Et elle entend que celui qui était à Capernaum va rentrer maintenant dans son village. Elle entend que celui qui était à Jéricho va rentrer dans sa ville. Elle entend que celui qui a été guéri, qui a guéri le lépreux de la lèpre, va maintenant rentrer dans sa ville. Elle entend que celui qui a guéri Bartimée va venir. Elle entend que celui qui a ressuscité le fils de la veuve de Naïm va arriver dans sa maison. Et elle se dit, c'est aussi mon tour d'être guérie, alléluia. Elle a ouvert les oreilles de son cœur, alléluia. Et elle a pu saisir par la foi que c'était son tour, c'était son rôle. Oh, combien de personnes sont rentrées dans nos réunions? Ils étaient découragés, ils étaient fatigués. Ils étaient opprimés, peut-être comme toi ou comme cette femme. Et ils ont entendu que c'était possible. Ils ont entendu que ce n'était pas la volonté de Dieu, comme le pasteur Michael l'a dit, de rester toute leur vie dans la dépression, dans la fatigue, dans l'oppression, dans le stress, dans la maladie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont saisi, ils ont lambano par la foi leur guérison. La Bible déclare dans Actes 10, 38, « Vous savez comment Dieu a oint
du Saint-Esprit, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise ou l'empire du diable, car Dieu était avec lui. C'est ce que Pierre va dire à Corneille, et c'est ce que tu as besoin d'entendre. Ouvre les oreilles de ton cœur spirituel et entends, entends la bonne nouvelle. Peut-être que ton église t'a prêché que Jésus guérissait pas, c'est faux, Jésus guérit. Peut-être que ton église t'a prêché que la guérison c'était juste pour les apôtres, c'est faux, c'est pour aujourd'hui. La Bible déclare dans l'Épître aux Hébreux qu'il est le même hier, le même aujourd'hui et le même éternellement. Elle a entendu la bonne nouvelle. La deuxième chose, et c'est ce deuxième pas de foi qu'elle va faire, elle va proclamer le langage de la foi. Verset 28, car elle disait, si je peux toucher ses vêtements, je serai guéri. Je répète, car elle disait, si je peux toucher ses vêtements, je serai guéri. Écoutez, il n'y a pas de mystère sur la foi. Si vous avez la foi, vous devez la déclarer avec votre bouche. Alléluia. Tellement de gens me disent, pasteur, tu sais, j'ai la foi dans mon cœur, je la garde pour moi. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas l'enseignement du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, tu as la foi dans ton cœur, mais tu as la foi sur ta langue. Alléluia. Tu as la foi sur ta bouche. Romains 10, verset 8 jusqu'au verset 11. Que dit-elle donc ? La parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi ce soir que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et un jour, le Saint-Esprit m'a dit, Stéphane, regarde ce texte. C'est en croyant dans le cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Mais c'est la même chose pour toutes les bénédictions. Tu as besoin de croire que Dieu t'a guéri à la croix, mais tu as besoin aussi de le déclarer. Tu as besoin aussi de le confesser. Tu dois prendre cette parole d'un Pierre 2, 24 qui dit que dans les meurtrissures de Jésus, nous avons déjà été guéris. Alléluia. Ésaïe dira, parce que lui, il écrit 700 ans avant la croix, il dira que nous sommes guéris. Mais Pierre, lui, il écrit après la croix. Et lui, il dit, vous avez déjà été. Et tu as besoin de le dire. Dans le Proverbe 18, verset 20, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Oh, je me rappelle le jour où je suis rentré un jour de vacances, mon père était malade. Il s'était cassé la hanche. Et nous devions aller dans un voyage en Israël. Et là, je dis, papa, écoute, c'est pas grave, tu vas rester ici. Et puis moi, je vais faire le voyage à ta place. Il m'a dit, non, mon fils, non, mon fils, notre Dieu est vivant. Notre Dieu est puissant. Et je le revois avec sa Bible le soir, jusqu'à 1h du matin. Méditez ce texte d'un Pierre 2, 24. Et déclarez jusqu'à minuit, dans l'esprit, je déclare, moi, Christian Caddy, que dans les meurtrissures de Jésus, j'ai déjà été guéri. À minuit, il a pris son stylo et il a écrit, moi, Christian Caddy, à minuit une, je suis guéri. Le matin, il s'est levé, il est parti faire les radios, il était complètement guéri, alléluia. On est parti en Israël ensemble, sur les pas de Jésus. On a été à Capernaum, on a été en Galilée, on a été à Jérusalem et il était complètement guéri, alléluia. On avait une quarantaine de personnes dans le bus. 13 sur 40 ont reçu leur guérison pendant ce voyage. Mon frère, ma soeur, c'est une réalité. Mais tu dois te lever dans la foi. Tu dois être violent dans la foi. Tu dois déclarer que dans les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Alléluia. Dans Éphésiens 6, Paul parle des armes spirituelles. Écoutez-moi bien. Il parle des armes défensives. Il parle du bouclier. Il parle des chaussures. Il parle du casque. Il parle de la ceinture. Mais il parle aussi d'une arme offensive. Et cette arme, c'est l'épée de l'esprit. Et dans le grec, il dit que c'est la parole. Et le mot parole utilisé, c'est rhéma. Alléluia. Il ne dit pas logos, il dit rhéma. Donc c'est la parole proclamée. Et dans l'Apocalypse, au chapitre 1, au verset 16, Jean a une vision de Jésus. Il dit qu'il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Il voit Jésus glorifié dans le ciel. Et il a une épée dans sa bouche.
Si tu es comme Jésus, tu dois avoir ton épée dans ta bouche et déclarer dans les meurtrissures de Jésus, je suis déjà guéri, alléluia. Dans Marc 11, 23, il est écrit, tu parles à la montagne et tu lui dis, montagne, jette-toi dans la mer. Oh, je vois tellement de gens, prophète Jérémie, dans l'église, qui au lieu de parler à la montagne, parlent de leur montagne. Arrête de dire que ta montagne est grande, mais dis à ta montagne combien ton Dieu est grand, alléluia. Et commence à lui dire qu'elle va être renversée ce soir. Oh, rabba, baba, baba, choco, rabba. Commencez à prier en langue, après je fais le troisième point. Rabba, baba, baba, ça monte dans l'esprit. Karabba, baba, je vois une personne guérie de l'épaule gauche maintenant. Commence à prier. Je vois des gens guéris des yeux. Oh, je vois des gens guéris des yeux. Je vois des acouphènes qui s'en vont. Commence à prier en langue. Hein. Rabba, baba, je vois un torticolis qui est guéri maintenant. Rabba, baba, baba, je reçois un bassin qui est guéri. Je vois des genoux être guéris maintenant. Commence à prier dans l'esprit. Rata, rasa, rabba, rata, rabba. Rabba, 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 il est Jéhovah Rapha, il est l'Éternel qui me guérit, il est l'Éternel. Tu as juste à saisir, pendant le confinement, le Seigneur a parlé à mon église et il m'a dit, dans ton église, il y aura plus de guérison maintenant que j'ai jamais eu. Et depuis le confinement, sans qu'on touche les gens sont guéris à distance. Ils le saisissent par la foi, ils touchent Jésus. Oh, il touche Jésus, tu peux toucher Jésus là où tu es. Je me rappelle de ma soeur, un jour elle m'appelle. Elle me dit, Stéphane, j'ai une grosseur, j'ai une tumeur. Je vais aller voir si elle est bénigne ou maligne. Et souvent, nous, les chrétiens, on ne prend pas le temps de prier. On va juste chez le médecin. Ce n'est pas interdit, mais prie avant d'aller chez le médecin. Et on prie ensemble au téléphone. Et là, je sens une chaleur, l'onction de guérison qui passe. Et ma sœur arrive chez le médecin. Elle montre son corps au médecin. Et le médecin lui dit, mais madame, pourquoi vous venez? Il n'y a rien du tout. Le temps qu'elle marche, la grosseur avait disparu, alléluia. On a tellement de guérisons. Il y a un homme, il s'appelait Gilbert, il est auprès du Seigneur. Il était né avec les cervicales collées. Ça veut dire que lorsqu'il devait tourner sa tête, il tournait tout son corps en réalité. Et un dimanche matin, vous savez, moi je dis que l'église, c'est la piscine de Bethesda, alléluia. À la piscine de Bethesda, il y avait un mouvement de l'eau. Et c'est une image prophétique de l'église. Il y avait 5 ministères, il y avait 5 colonnes. L'apôtre, le pasteur, le prophète, l'évangéliste, le docteur. Et ce jour-là, il y a eu une vague du Saint-Esprit. Et on a prié pour les malades. Et Gilbert, il est né comme ça, il avait 50 ans. Il a reçu sa guérison. Il est venu le dimanche d'après, papier en main. Pasteur, mes cervicales se sont décollées. Alléluia! Il n'est jamais trop tard pour être guéri. Cette femme, troisièmement, elle a agi. Elle a agi. Tellement de chrétiens, pasteur Michael, qui n'agissent plus dans les églises. Ils viennent, mais ils sont morts. Ils viennent, mais il n'y a plus rien, il n'y a plus la vie. Et Jacques dira, Jacques 2, 26, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alléluia. J'ai vu ça quand j'ai prêché en Afrique. Des gens qui avaient la foi comme des enfants. Oh, des gens qui recevaient comme des enfants. Mais nous, parfois en Europe, on est tellement rationnel, tellement intellectuel, qu'on ne saisit pas les choses de l'esprit. Il faut qu'il y ait un pas de foi. Il faut que tu sois violent dans l'esprit ce soir. Voilà pourquoi les évangélistes, lorsqu'ils prient pour les malades, ils demandent aux malades de bouger leur corps, de faire des pas de foi, de faire des gestes de foi. Regardez bien le verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière, et elle toucha le bord de son vêtement. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'elle était impure. Selon la loi de Moïse, elle n'avait pas le droit de faire ça. Elle n'avait pas le droit. Elle était impure. Mais elle s'est frayée un chemin. Parce que la foi fraye un chemin. Parce que la foi fait ce qui est impossible. Parce que la foi, c'est la démonstration des choses qu'on espère. Alléluia. Oh, elle a frayé un chemin. Elle a touché Jésus. Et combien de fois dans les évangiles, Jésus demande de faire des pas de foi. L'homme qui avait la main sèche, Marc 3, verset 5, alors promenant ses regards sur eux, avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main, étends ta main. Et sa main fut guérie. Jean 9, verset 7, il dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyer. Il alla, se lava et ensuite il voyait clair, dit la Bible. Souvenez-vous de Pierre, à qui Jésus a dit, Luc 5, verset 4 à 5, il a dit, jette ton filet en plein eau. C'était un acte de foi, c'était un acte prophétique. Il devait faire la chose pour vivre le miracle. Tu as besoin d'un miracle financier, tu dois semer, alléluia. Tu as besoin d'une guérison, tu dois bouger ton corps qui est malade. Tu as besoin de faire ce qui est impossible aux hommes et ce qui est possible à Dieu, alléluia. Et pour terminer, elle a reçu sa guérison. Au verset 29 et 30, au même instant,
La perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit : qui a touché mes vêtements ? Cette force, c'est l'onction. C'est l'onction. Elle a senti. Et quand on va prier, tu vas sentir quelque chose. Comme de l'électricité, comme une chaleur, comme un feu venir sur toi. C'est l'onction. Vous savez, en grec, Christ, c'est Christos, qui veut dire celui qui est oint. Ça veut dire que Jésus avait une onction sans mesure. Et à ce moment-là, tous ceux qui le touchaient auraient pu être guéris. Peut-être des gens étaient paralytiques, peut-être il y avait des aveugles, peut-être des sourds, peut-être des muets. Mais la Bible relate qu'une seule guérison, parce qu'il n'y a qu'une seule qui a touché Jésus. Mon frère, ma soeur, il est oint. Touche-le ce soir. Touche-le ce soir. Touche-le ce soir. Au nom puissant de Jésus. Il y a une personne, Seigneur, te parle ce soir. Tu cherches un travail depuis longtemps. Tu pries pour un travail, mais tu ne cherches pas en te levant et en commençant à faire des démarches administratives. Dieu va te bénir. Si tu le fais, Dieu va te donner le travail que tu attends. Mais tu dois te lever de ton lit. Tu dois sortir de chez toi. Tu dois prendre ton CV, faire des démarches. Tu seras la tête et non la queue, dit la Bible. Mais tu as un pas de foi à faire. Faites ces pas de foi ce soir. Faites-les. Et Dieu va débloquer les situations. Alléluia. Il va débloquer les situations. Alléluia. 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 Alors nous allons prier pour vous. La glorieuse présence de Jésus-Christ vienne maintenant sur vous. Je crois qu'il y a plusieurs personnes, alors qu'on a parlé d'un pas de foi, vous allez devoir ce soir, soit maintenant, soit après le temps de prière, sortir de chez vous et commencer à faire ce que vous ne pouviez pas faire. Allez marcher, et quand vous rentrez, cette chose vous a quitté. Et plusieurs, peut-être que le diable va venir vous dire, mais c'est ridicule, c'est n'importe quoi, regarde, tu sens encore la douleur. Mais au nom de Jésus-Christ, résistez-lui par la foi. Et alors que vous allez rentrer à la maison, vous allez être guéri. Amen. Un pas de foi. Que le Seigneur se glorifie maintenant dans votre vie. Et qu'il puisse vous libérer entièrement et complètement de toute maladie. Et alors que nous avons plusieurs paroles de connaissance à donner, avec le don de guérison, que le Seigneur va manifester pour vous. Mais d'abord qu'on puisse prier pour vous. Est-ce que Michael, tu voudrais prier, ou Stéphane, l'un de vous? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, on te rend grâce. Tu as tout accompli. Merci, Seigneur. Tu as tout accompli. Merci, Père. Pour que cette force qui sortait de toi, cette onction qui coulait de toi, puisse maintenant, après ta résurrection, couler de toi encore par le Saint-Esprit. Amen. Et Seigneur, alors que nous sommes là, nous prions, Père. Au nom de Jésus, alléluia. Qu'une force coule, alléluia. Que l'onction du Saint-Esprit coule dans les maisons, que ceux qui nous suivent et qui entendent cette émission soient stupéfaits de ressentir du sommet de leur tête jusqu'à la plante de leurs pieds une force rentrer en eux et chasser la maladie et guérir et faire ce qui était impossible à l'homme. Que cette force, Seigneur Jésus, soit libérée maintenant. Que cette force soit libérée maintenant. Au nom de Jésus. Là où tu es, on a parlé d'un acte de foi. Là où tu es, pose la main là où tu as mal. Pose la main où tu as mal. Pose cet acte de foi. Si c'est partout dans ton corps, pose sur ta tête. Si c'est ta tête, pose sur ta tête. Si c'est ton bras, pose sur ton bras. Si c'est pour ton conjoint, celui qui est avec toi, pose ta main là où, avec lui. Et que maintenant, au nom de Jésus, la puissance du Saint-Esprit guérisse. Sois guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur.
soit guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Une chaleur de l'électricité maintenant remplisse ton corps. Tu sens que ça fourmille à l'intérieur. Tu sens que ça chauffe, ça brûle. L'Esprit de Dieu est en train de guérir exactement, exactement là où tu as besoin. Saint-Esprit, tu sais ce qu'il faut faire. Tu es le divin chirurgien. Alors au nom de Jésus, ce que les médecins n'ont pu faire, ce que les médicaments n'ont pu faire, maintenant glorifie le nom de Jésus et guéris, guéris, guéris cette personne, guéris ce frère, guéris cette sœur. Maintenant, sois guéri, sois restauré au nom de Jésus. Commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Bouge tes articulations qui étaient douloureuses, que tu ne pouvais plus. La Bible dit qu'à la croix, toutes les forces de Jésus le quittaient comme l'eau qui ruisselle. Toutes ses forces l'ont quitté comme l'eau qui ruisselle. Et cette maladie te rendait sans force, comme si tes jambes n'avaient plus de force, comme si tes membres étaient atrophiés, comme si tu n'avais plus de force pour te tenir, pour faire ce que tu devais faire. Tu étais essoufflé, les forces te quittaient. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ a porté toutes les conséquences de cette maladie. Toutes ses forces l'ont quitté. C'était les conséquences de cette maladie qui est en toi. Alors au nom de Jésus-Christ, là où tu es, commande avec moi. Au nom de Jésus, je refuse cette maladie. Je refuse cette souffrance. Là où tu es, comme cette femme à la perte de sang, lève-toi, lève-toi. Dresse-toi avec violence dans la foi contre cette maladie. Non, je n'ai plus à porter. Je n'ai plus à souffrir. Je n'ai plus à porter cette langueur et cette faiblesse dans mon corps. Maintenant, les forces reviennent dans mon corps parce que Jésus a porté ma faiblesse et par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Alors, sois guéri au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors que nous scellons ces guérisons, l'Esprit de Dieu me montre, il y a une personne, tu nous regardes. Et pendant l'été, tu mets des t-shirts à manches longues à cause des problèmes de peau que tu as, parce que tu as honte de montrer ta peau. Et le Seigneur te touche, c'est du psoriasis que tu as, me dit le Seigneur. Et le Seigneur, dans 3 jours, va te guérir. Dans 3 jours, tu vas te lever, dit le Seigneur, et ce psoriasis aura disparu. Pourquoi je te dis dans 3 jours? Pour que tu saches que c'est moi qui t'ai guéri, dit le Seigneur. Mais donne-moi la gloire. Et en même temps, Dieu, pendant qu'il va te guérir, veut redresser des choses en toi. Tu vis parfois d'une manière très charnelle, très humaine. Et en même temps que Dieu veut guérir ton corps, il veut guérir aussi ta vie spirituelle. Il te demande un engagement beaucoup plus profond avec lui. La croix t'amène à un engagement beaucoup plus profond avec le Seigneur. Beaucoup plus profond. Oh, il y a une personne qui a une pustule, me dit le Seigneur. Dieu te touche également. Cette pustule va s'enlever, te dit le Seigneur. Elle va disparaître. C'est ma main qui va le faire. C'est ma main qui va toucher. Je vois des gens guéris de rhumatisme, me dit le Seigneur. Vous avez des rhumatismes, Dieu vous touche maintenant. Oh, ces personnes, mettez la main sur vos rhumatismes, s'il vous plaît. Oh, je libère sous vous l'onction de guérison, dans le nom de Jésus. Je déclare, c'est la dernière fois que vous aurez des rhumatismes. Merci. Ces rhumatismes s'en vont maintenant. Ils quittent dans le nom de Jésus. Je prie pour des progrès dans la foi. Vous qui nous regardez, je prie pour des progrès dans la foi. Que vous puissiez avancer, ce n'est pas juste une soirée. C'est une vie de foi que Dieu vous appelle à vivre pour résister à la maladie, pour résister aux ténèbres. Il vous touche, il vous guérit ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur guérit également des personnes. Vous avez une grosseur au niveau de la gorge, qu'on appelle peut-être un gloître, mais... Et au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à cette grosseur maintenant de vous quitter, de disparaître entièrement. Amen. Au nom de Jésus. Qu'à votre réveil demain matin, ce gloître, cette grosseur, ait été entièrement disparu, complètement, au nom de Jésus-Christ. Si des personnes, vous avez les os qui se déboîtent régulièrement et c'est très embêtant, très gênant. Et nous parlons à ces os maintenant
au nom de Jésus-Christ, d'être rétablie. Au nom du Seigneur. Plusieurs personnes, vous avez un herpès génital et le Seigneur aussi veut vous guérir maintenant. Plus de honte, plus de souffrance. Au nom de Jésus. Là où vous avez souffert, dans la honte, dans l'incompréhension, soyez guéris maintenant. Plusieurs, c'est à cause d'un viol. Et ça s'est attaché à vous avec la honte. Mais au nom de Jésus-Christ, Jésus a porté cette honte. Vous n'avez plus à avoir honte. Soyez libérés maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs femmes, ça vous empêchait de pouvoir jouir de votre vie avec votre mari, votre vie conjugale. Soyez maintenant guéris au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Il y a une grâce aussi spéciale. Le Seigneur m'a souvent utilisé dans ce domaine les personnes qui ont des problèmes d'acouphènes. Maintenant, vous pouvez toucher votre oreille là où vous êtes. Au nom de Jésus, le souffle du Saint-Esprit souffle dans vos oreilles maintenant. Souffle dans ses oreilles. Au nom de Jésus, un souffle de vie. Et là où il y avait des problèmes de surdité, d'otite, d'acouphène, au nom de Jésus, soyez guéris maintenant. Plusieurs personnes, vous portez des appareils auditifs. Et si vous êtes avec quelqu'un maintenant et que vous avez la foi, je vous encourage de pouvoir les enlever simplement. Et vous qui êtes à ses côtés, de pouvoir lui parler. Et vous vous éloignez petit à petit. Et petit à petit. Ou alors simplement, ce qui est en train de jouer maintenant, notre voix. Et il peut répéter ses paroles. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Répétez ses paroles. Enlevez ses appareils maintenant. Au nom de Jésus. Recevez cette guérison. Oreille. Débouchez-vous maintenant, au nom de Jésus-Christ. Nous parlons la vie de Dieu, nous proclamons la vie de Dieu dans vos oreilles, maintenant. Maintenant. Est-ce que vous entendez maintenant? Répétez après moi. Jésus. Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ton amour me touche. Amen. Je suis guéri. J'entends bien. J'entends bien. Merci Seigneur Jésus-Christ. Glorifiez le Seigneur là où vous êtes. Amen. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. J'aimerais peut-être juste vous inviter, également peut-être ceux qui nous regardent maintenant et qui n'ont jamais reçu Jésus dans votre vie, à recevoir Jésus dans votre vie. Le pasteur Michael nous a exhortés sur la croix. Et nous croyons que le même sacrifice par lequel nous sommes guéris, le même sacrifice qui est suffisant aussi pour nous sauver et pardonner nos péchés. Alléluia. Si vos noms ne sont pas encore inscrits dans le livre de vie, j'aimerais vous inviter à faire cette prière avec moi, à la répéter. On a vu ensemble qu'il faut croire dans son cœur, mais il faut aussi confesser de sa bouche. Ce n'est pas juste une expérience que tu vis à l'intérieur, il faut que tu le confesses. Tu vas dire avec moi, à ta place, là où tu es, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole, j'ai entendu ton message, j'ai entendu le message de la croix. Et Seigneur, je crois qu'il y a 2000 ans, tu es monté sur cette croix infâme pour pardonner mes péchés. Je crois selon les Écritures que tu as été mis et enseveli au tombeau et que le troisième jour, Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'à travers ce sacrifice, je suis sauvé aujourd'hui. Je deviens une nouvelle créature et tu inscris mon nom dans le livre de vie. Pardonne mes péchés. Je te reçois maintenant. Je nais de nouveau par le Saint-Esprit. Je scelle tout cela maintenant dans l'autorité du nom de Jésus. Amen. Glorieux Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je veux aussi prier pour les personnes
On a une petite équipe d'intercession ici. Et lors des derniers lives, ils ont pu prier. Et ils ont reçu plusieurs bénédictions que le Seigneur veut apporter. Il y a des enfants nouveau-nés qui sont actuellement en soins intensifs dans les hôpitaux. Et nous prions maintenant. Yes. La vie. La parole déclare vie dans ton sang. Vie dans ton sang. Et nous appelons la vie de Dieu maintenant au nom de Jésus-Christ sur ces bébés. Où qu'ils se trouvent, dans une capitale ou dans un petit village, au nom de Jésus-Christ, la vie. Qu'il soit un témoignage pour le Seigneur et qu'il puisse le servir jusqu'à son retour. Au nom de Jésus-Christ, qu'il reçoive la vie maintenant, la vie de Dieu. Merci Seigneur. Je veux aussi déclarer la vie sur les enfants. Certains sont dans leur lit et certains sont là avec vous. Et si tu entends ma voix, tu es un enfant et tu es malade. Dieu veut te guérir de cette maladie et te libérer entièrement. Et au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Sois libéré par la puissance de Dieu, de ce Jésus qui t'aime. Seigneur, merci de toucher cet enfant maintenant. Plus de crise, plus de douleur, plus de souffrance, plus de séjour à l'hôpital. Au nom de Jésus, libre. Merci Seigneur. Il y a aussi des personnes, vous vous occupez d'une personne qui est malade. Ça peut être un conjoint ou un enfant, même si cet enfant est âgé. Et Aurélie de l'équipe m'envoyait ce que le Seigneur lui a partagé. Elle a vu un homme qui prenait soin de sa femme depuis des années. Et au nom de Jésus-Christ, le Seigneur dit, cette maladie s'arrête. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, cette maladie s'arrête. Soyez guéris. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant. Maintenant. Et avant de partager d'autres paroles, le Seigneur n'a pas terminé, il va encore se glorifier. Je voudrais aussi peut-être laisser la parole à Michael. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Moi j'ai à cœur qu'on puisse chanter à nouveau ce chant « Je suis celui qui te guérit ouais. » et qu'une vague de guérison puisse venir chez vous. Merci Seigneur. Recevez simplement dans cette douce et merveilleuse présence. Tu es...
Dépression nerveuse. Personne qui nous regarde me dit le Seigneur qu'on a des vagues de dépression. C'est par saison. Parfois tu ressens la dépression qui vient et c'est comme si elle partait, tu dis c'est fini. Et puis quand les temps difficiles viennent, une nouvelle saison arrive, la dépression revient et c'est pire pour toi encore car tu pensais véritablement que c'était fini. Ce soir le Seigneur te dit, c'est la dernière fois que tu vivras la dépression nerveuse. Je te touche, dit le Seigneur. Et beaucoup de ces dépressions sont d'origine de guérison, de mal dans votre âme. Vous avez besoin de guérison de votre âme, pardon. J'aimerais prier pour vous, si vous sentez que c'est votre cas, mettez la main sur votre cœur. Vous qui avez peut-être été blessé, qui avez vécu la déception, la désillusion. Jésus guérit, il guérit le corps, mais il guérit aussi l'âme, alléluia. Mettez la main sur votre cœur. Père, j'aimerais déclarer sur la vie de nos bien-aimés qui ont été déçus, qui ont été brisés, qui ont été délusionnés, qui ont été abandonnés, qui ont été rejetés. Seigneur, je déclare que toi, comme Michaël l'a dit, qui a été rejeté par le Père, tu as été rejeté pour que nous soyons guéris du rejet, Seigneur. Et nous libérons cette onction de guérison. Et nous déclarons simplement, par la foi, que la dépression, c'est fini. Vous ne la vivrez plus, dit le Seigneur. Vous ne la vivrez plus. C'est terminé dans le nom de Jésus. Relevez vos têtes. Remerciez le Seigneur là où vous êtes. Adorez-le. C'est lui qui le fait, tout simplement. Alléluia. Et je veux déclarer dans la même lignée cette parole de Ésaïe 61 que Dieu dit que son onction est sur Jésus-Christ pour tellement de choses. Et il conclut, il dit, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Amen. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Et ta vie, à cause de cette dépression dont Stéphane a parlé, est un champ de ruines. Un champ de ruines à cause de la dépression, de l'oppression que le diable a menée, que la vie et les coups de la vie t'ont menée. Mais aujourd'hui, il te guérit et il dit que tu vas rebâtir sur ces ruines. Il y aura un avenir. Il y aura des projets de paix, non de malheur. Il y a une espérance pour toi. Tu vas rebâtir. Et ce qui sera rebâti avec des matériaux nouveaux et sera rebâti avec une gloire supérieure que celle du passé. N'aie pas peur que les choses se reproduisent parce que le cycle a été rompu aujourd'hui et quelque chose de nouveau commence. Un nouvel édifice, un nouveau départ que Dieu fait dans ta vie. Il dit que les années que la sauterelle a dévoré, il va les racheter. Alléluia. Il va les racheter. Alléluia. Il dit oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront chaque jour de ta vie. Il dit oui, qu'il te redonnera au centuple ce que tu as perdu. Oui, il te bénira doublement de ce que tu as perdu. Amen. Cela soit ton partage au nom de Jésus. Je vois qu'il y a des eaux, je ne sais pas comment dire, comme l'histoire là de cette... Sciatique. Il y a des choses qui se redressent, Alléluia. Qui se séparent dans ta colonne vertébrale. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, que cette colonne se redresse. Amen. Dans le nom de Jésus. Ça craque maintenant et ça se replace. La main de Dieu se pose sur ton dos et redresse, oui, Seigneur. Ce qui était courbé. Scoliose. Merci, oui, dans le Amen. Nom de Jésus. Courbature, dans le nom de Jésus, ton dos se redresse. Bosse, tu disparais dans le nom puissant Merci de Seigneur. Jésus. Maintenant même, cette bosse disparaît. Maintenant même, Merci lève-toi, Jésus. Redresse-toi, teste. Cette bosse qui te courbait est partie. Cette scoliose, cette courbe dans ton dos est redressée au nom de Jésus. Tu as des problèmes d'hémorroïdes. Tu es guéri maintenant au nom de Jésus. Tu peux poser. Tu peux te poser normalement. Tu peux aller faire ce que tu dois faire.
normalement. La douleur passe, part. Ce qui était gonflé maintenant est dégonflé. Tu iras aux toilettes normalement au nom de Jésus. Toi qui te levais la nuit tellement de fois pour aller aux toilettes. Toi qui n'avais pas une vie normale parce que tu passais ton temps à cause de tes intestins. Dans ce lieu, tu allais aux toilettes, tu avais mal au ventre. Constamment, tu ne pouvais pas manger ce que tu voulais. Maintenant que ton estomac, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mange ce qu'il ne pouvait pas manger, absorbe ce qu'il ne pouvait pas absorber, digère ce qu'il ne pouvait pas digérer. Au nom de Jésus, un intestin neuf t'est donné. Un intestin neuf t'est donné. Un estomac nouveau t'est donné. Sois guéri maintenant. Ça brûle à l'intérieur de toi. Ces grosseurs, ces choses qui étaient là, disparaissent, sèchent dans le nom de Jésus. Elles sèchent. Elles sèchent. Elles sèchent. Totalement. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Il y a des maladies aussi qui sont directement liées à des esprits impurs et des esprits mauvais. Maintenant, il y a des personnes qui sont au lit. Elles ne sont pas en train de suivre ce live, elles habitent avec vous. Et maintenant, et cette nuit, reçoivent leur délivrance. Et au nom de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant à tout esprit impur de quitter ce corps maintenant. À la maison dans laquelle vous vous trouvez, cette personne qui est oppressée, soit libérée maintenant, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, libre, libre, libre. Au nom de Jésus-Christ. N'ayez pas peur si elle vomit quelque chose. Au nom de Jésus, elle est libre maintenant de la tête aux pieds. Libre. Merci Seigneur. Cet esprit qui venait dans la nuit pour tourmenter, cet esprit qui venait pour vous toucher, maintenant au nom de Jésus-Christ. Esprit impur, tu sors. Maintenant. Maintenant, j'ordonne à cette tumeur, à ce cancer de quitter votre corps. Au nom de Jésus, cancer des ovaires, maintenant, tu sors, c'est terminé. Tu meurs maintenant, tu es brisé. Au nom de Jésus-Christ. Mais j'appelle aussi la libération, au nom de Jésus, des maladies mentales. Maintenant, il y a un homme, vous êtes une femme et vous vivez avec lui. Au nom de Jésus, que cet homme soit libéré maintenant par la puissance de Dieu. C'est votre fils et vous en occupez, il a environ 50 ans. Maintenant, sois libéré. Au nom de Jésus, esprit impur, sors. Sors maintenant. Sors au nom de Jésus-Christ. Maintenant, soyez libérés. Soyez libérés. Tu sors maintenant. Tu sors. Ça sort par la gorge. Ça s'en va maintenant. Au nom de Jésus. Ça sort par les doigts maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Satan, tu es un menteur. Cette personne ne mourra pas. Elle vivra. Personne, vous avez des palpitations en ce moment. N'ayez pas peur. Recevez votre délivrance maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez libérés. Libre. Libre. Amen, amen. Je veux me dresser maintenant au nom de Jésus contre toutes les œuvres de sorcellerie qui ont été faites dans ta vie ou que tes parents ont fait, qui sont restés attachés à toi. Je vais prendre maintenant autorité là où tu es. Simplement reçois ta délivrance. Il y a quelque chose de fort qui va se passer dans ton corps, dans ton âme. Il y a des esprits qui vont te quitter. Aussi nombreux soient-ils, ils vont partir. La Bible dit qu'à la mention de son nom, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur. À l'heure même, les esprits mauvais quittaient les corps. Et maintenant, au nom puissant de Jésus, je me dresse maintenant contre ces esprits liés à la sorcellerie, ces œuvres de sorcellerie. Et au nom puissant de Jésus, je te détache de ces œuvres maintenant. Toi qui appartiens à Jésus-Christ, au nom de Jésus, je brise ces œuvres de sorcellerie sur ta vie. Maintenant, au nom de Jésus, à trois, un, deux, trois, tu sors. Santé. Tu sors. Je te commande, Satan. Toute œuvre de sorcellerie qui cause ces tourments dans ta vie maintenant sont exposées. Déliés, tu sors maintenant au nom de Jésus. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré.
Tu es libéré. Tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Maintenant, plusieurs personnes, vous avez eu des manifestations là. Ouais. Je peux le voir chez vous, mais il y a une personne à vos côtés qui n'a pas la manifestation. Si tu es à Jésus maintenant, commande. Tu n'as pas besoin de toucher la personne. Pointe ton doigt vers elle et commande là où elle est. Au nom de Jésus, sors. Dis à cet esprit de sortir au nom de Jésus. Si tu es enfant de Dieu, tu as autorité. N'aie pas peur et prends autorité maintenant et achève ce que Dieu a commencé dans la vie de ton bien-aimé. Sois totalement libéré par la puissance du Saint-Esprit. Merci. Tu es libéré et détaché de ces œuvres des ténèbres. Satan, tu perds ton pouvoir. C'est fini. Le cycle de la malédiction est fini. Les œuvres de sorcellerie sont finies au nom de Jésus. Le Seigneur guérit aussi, je veux prier pour toutes les personnes qui ont été atteintes par le Covid, les personnes qui ont des problèmes respiratoires, dans le nom de Jésus-Christ, soyez guéris. Amen. Et à partir d'aujourd'hui, respirez normalement. J'appelle la vie de Dieu dans tout votre être, au nom de Jésus-Christ. J'ordonne là encore à tout esprit de peur, de quitter votre corps maintenant. Cet esprit qui vous fait croire que, alors que la maladie même parfois n'est pas encore là, il vous fait croire que vous êtes malade. Soyez libérés maintenant au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur guérit également des tocs et de l'autisme. Soyez libérés. Que ces esprits impurs quittent votre corps. Et des esprits qui se sont attachés à des corps. Ce n'est pas dans votre âme, c'est dans votre corps. Ils sont attachés comme quelque chose de dégoûtant, comme une pieuvre qui est là. Et au nom de Jésus-Christ, que ce qui ressemble à une pieuvre, que ce qui ressemble à quelque chose de sale et d'impur, lâche. Allez, maintenant. Au nom de Jésus-Christ et aussi, venant de l'équipe d'intercession des personnes âgées qui écoutent et vous pensiez que c'était fini et que c'est normal d'être attaqué par la maladie, mais le Seigneur dit qu'il va vous relever. Amen. Qu'il vous relève à partir d'aujourd'hui. Vous avez cru un mensonge charnel, terrestre et même satanique, qu'il était normal pour vous de tomber malade, d'aller mal, de ne plus pouvoir vous déplacer, de ne plus faire ce que vous souhaitiez faire, vivre normalement. Et au nom de Jésus-Christ, soyez guéri maintenant. Et soyez libérés par la puissance de Dieu. Dieu relève également les parents qui n'arrivaient plus à s'occuper de leur foyer parce qu'ils étaient malades. Le Seigneur vous libère au nom glorieux de Jésus-Christ. Et avant de terminer, encore une minute. Il y a une émission que j'ai faite qui s'appelle « Prière contre 150 maladies » dans laquelle j'ai cité des maladies et Dieu s'est glorifié d'une manière extraordinaire. Je viens d'aller voir encore à l'instant, il y a une semaine, quelqu'un dit qu'en écoutant cette émission, elle avait une grosseur au sein qui est partie et qui est disparue. Ça fait 3 ans, je crois, qu'on a enregistré cette émission. Et cette personne a reçu la guérison il y a une semaine. Je voudrais prendre quelques instants maintenant, citer, écrivez sur le chat maintenant, sur YouTube, votre maladie. Et je veux déclarer la guérison rapidement, en une minute, au nom du Seigneur. Et pendant que vous le faites, je veux vous encourager à pouvoir partager ce live autour de vous dans les prochains jours, ce soir directement, demain, aux personnes qui sont dans le besoin. Que le Seigneur puisse se glorifier maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci, précieux Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Que l'arthrite soit guérie. Jésus. Oui. L'arthrose. Les problèmes de peau au nom de Jésus-Christ sont guéris. Maintenant. Maintenant, par la puissance de Dieu. Soyez guéris. L'hypertension, la myopie au nom de Jésus, les tensions oculaires, soyez guéris. Mm-hmm. Les migraines au nom de Jésus, vous quittez maintenant. Mm-hmm. Les problèmes d'acné qui reviennent anormales au nom de Jésus, ça sort. Ça part. Les fibromes maintenant.
disparaissent au nom de Jésus-Christ. Les problèmes de poumons maintenant, soyez libérés. Problèmes de stérilité, soyez libérés maintenant. L'hépatite, au nom de Jésus-Christ. Les douleurs mammaires, maintenant, ça disparaît. La gastrite, maintenant, au nom de Jésus-Christ, disparaît complètement par la puissance de Dieu. Soyez libérés de l'anémie. Soyez libérés des maux de ventre qui reviennent sans cesse. Les douleurs à l'estomac, les problèmes de dos, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous proclamons la délivrance et la liberté. La guérison au nom de Jésus-Christ de l'épilepsie maintenant. C'est terminé pour votre époux, oui. La libération vient pour lui maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Les problèmes de champignons sur les mains, cette personne, je crois que Stéphane en a parlé tout à l'heure. En d'autres mots, soyez libérés maintenant. Les problèmes au niveau des yeux, du diabète, de l'asthme, au nom de Jésus-Christ. Toutes ces allergies s'en vont maintenant. Ces trompes qui sont bouchées maintenant, qu'elles soient débouchées, amen. Libérées, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Alors que vous écrivez, recevez, recevez, au nom de Jésus, cette guérison pour vous-même ou pour cette personne. Au nom de Jésus, le problème au niveau des genoux, cette dermatite, au nom de Jésus, est guérie. Problème de thyroïde, j'en ai parlé tout à l'heure, et de genoux également, on a parlé de la dépression. Soyez guéris à la puissance de Jésus-Christ, ces rhumatismes. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Saint-Esprit, merci. Ces règles douloureuses, on l'a vu plusieurs fois. Soyez guéris maintenant, qu'il n'y ait plus de règles douloureuses pour vous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, merci Saint-Esprit. Les problèmes d'Alzheimer, maintenant, ça s'arrête. Tout revient, la mémoire revient, les souvenirs reviennent, l'intelligence revient, ce qui est cognitif au nom de Jésus, ça revient, la sensibilité, ça revient, au niveau des problèmes de sang, maintenant, ça s'arrête, au nom de Jésus-Christ, angine de poitrine, ça s'arrête, les tendinites, maintenant, douleur à la mâchoire, au nom glorieux de Jésus-Christ, maintenant, ça s'arrête. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Et alors que vous écrivez maintenant, recevez la guérison. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Tous les problèmes d'hernie discale, ça fait mal. Soyez guéris maintenant. Commencez à faire ce que vous ne pouvez pas faire. Tournez-vous sur le côté. Commencez à toucher vos pieds. Et regardez, constatez combien le Seigneur est bon. Merci Seigneur Jésus. Problème de lupus maintenant, de sinusite, au niveau de l'oreille interne, soyez guéri. Maintenant, hypertension, les fatigues chroniques, maintenant. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Jésus-Christ. Problème d'amygdale maintenant, d'eczéma. Merci Seigneur. Et kyste, oui ça j'avais reçu ça. Un kyste au niveau des ovaires. J'ai reçu ça clairement hier. Soyez guéris maintenant. Ce kyste disparaît. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Tous les gonflements de membres anormaux. Soyez guéris. Au nom glorieux, extraordinaire et merveilleux de Jésus-Christ. Que nous adorons et que nous glorifions. Seigneur, c'est toi et c'est à toi toute la gloire. C'est toi qui es mort sur cette croix. Et nous te reconnaissons comme le Seigneur et celui qui guérit encore aujourd'hui. Et merci pour ta main qui se pose dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures encore sur ton peuple. Et pour le constat de la guérison. Oui, ta parole déclare, nous marchons non par la vue mais par la foi. Et nous croyons, Seigneur, que tu es intervenu ce soir. Et que tu interviendras à chaque fois que quelqu'un se connectera à cette vidéo. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, on vous encourage à partager vos témoignages dans les prochains jours. À chaque fois qu'on peut partager un témoignage et qu'on a l'occasion de pouvoir le citer, d'autres personnes qui avaient le même problème ou des problèmes similaires sont guéries. Alors, s'il vous plaît, envoyez votre témoignage. Donc, l'adresse s'affiche à mcitv.com/témoignage. On vous remercie vraiment d'avoir été là avec nous ce soir.
Je veux remercier particulièrement tous les partenaires, comme je l'ai dit en introduction. Grâce à vous, ce soir, des personnes ont été sauvées. Des personnes sont devenues passionnées pour le Seigneur, ont abandonné, renoncé à des péchés. Et des personnes ont été guéries par le Seigneur Jésus-Christ. Alors merci à tous les partenaires, frères et sœurs. Nous sommes ensemble pour que le royaume de Dieu avance et que le royaume satanique soit détrôné une fois pour toutes. Il l'a été à la croix du calvaire et nous nous mettons ensemble dans la foi pour que cela soit manifeste pour un maximum de personnes et que le Seigneur sauve un maximum de personnes dans les temps qui viennent. Oui, le temps est court. Et merci également à tous ceux qui veulent devenir partenaires. Vous allez avoir l'adresse qui s'affiche. Vous pouvez devenir partenaire également. Vous allez sur emcitv.com/don et vous pouvez devenir partenaire mensuel, quel que soit ce que vous pouvez apporter. Si vous l'apportez avec joie et avec votre cœur, le Seigneur va trouver cela agréable, que vous mettiez quelque chose à part tous les mois pour son royaume. Que le Seigneur se glorifie. Merci à tous d'avoir été là. Gordon et Clémence, Pasteur Stéphane, Michael, Frank et tous ceux qui ont rendu possible cet événement et qui sont là dans les régies et dans les bureaux également. Tellement de travail pour un live. Merci à tous, frères et sœurs. Le Seigneur Jésus-Christ nous aime d'un amour éternel. Continuons à partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ autour de nous. Aimons-nous les uns les autres, frères et sœurs, c'est important. Aimons-nous les uns les autres. C'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres qu'on verra que vraiment nous sommes des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Alors aimez votre conjoint, vos enfants, les amis qui sont autour de vous. Aimez l'Église, les frères et les sœurs. Aimez vos pasteurs et ceux qui sont pour vous des responsables spirituels. Nous vous bénissons au nom glorieux de Jésus-Christ. C'était le live Passion et Guérison de MCI TV, prière inspirée. On se retrouve très bientôt, dès demain, dans nos émissions habituelles et tout de suite sur la chaîne sur satellite. Ça continue. On vous bénit et on vous aime au nom de Jésus-Christ.